Take stand one. What is? Ceux qui ont l'habitude de straboler ou bien de déformer des propos, asseyez-vous. Parce que moi, je ne fais pas dans la dentelle avec beaucoup d'entre vous. Je ne fais pas dans l'hypocrisie avec beaucoup d'entre vous. Je suis même allé prendre le micro. Aïe, je suis même allé prendre le micro pour que vous m'entendiez bien. Pour que ce que je veux dire, ça reste bien dans, ça reste martelé dans les têtes des Gabonais. D'accord? Bien. Je vais poser le micro encore là. Donc, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Alors, c'est où la page, la page, la page, la page, la page, la page, la page. C'est ici. J'aurais appris que Bito m'a demandé pardon. Donc, j'ai appris ça dans mon Facebook, là. J'ai essayé de chercher et effectivement, j'ai vu. Bon, moi, je ne suis pas là pour interdire qui que ce soit. Ce n'est pas l'acte de Bitum qui m'importune, hein, croyez-moi. Au contraire, pour des personnes qui aiment la paix, qui aiment l'unité nationale, c'est bien beau, c'est bien. Mais ça dépend d'envers qui on pose cet acte-là. Ça dépend de qu'est-ce qui a été fait d'abord, au départ, pour que tu demandes pardon. Est-ce que tu demandes pardon vis-à-vis de toi-même, ou tu demandes pardon vis-à-vis de la communauté fan, ou tu demandes pardon vis-à-vis du coup d'État envers Olingui? Il faut préciser. Maintenant, tu demandes pardon vis-à-vis de toi-même. Peut-être que tu as eu à diffamer sur lui et tu t'es reconnu, tu t'es vu que non, tu as abusé dans la diffamation. Tu demandes pardon. Voilà, parce que moi, je n'aime pas des personnes lâches. Moi, pour moi, ça est un signe de lâcheté. Vous comprenez? Je suis désolée. Donc, attendez, j'arrive. C'est un signe de lâcheté pour moi. Je ne dis pas que tu ne devais pas demander pardon. Hein. Bah, on vous connaît. Oh. Vous avez commencé là, bang, 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 bang. M'a partagé encore. J'ai envie de parler au nombre. Autoriser les partages. Pourquoi le deux? Attendez que quoi? Donc. Bitum. Quand vous ne partagez pas, laissez-moi d'abord faire mon travail. Parce que moi, je sais que c'est pour ça, quand je suis sur TikTok, je n'ai pas besoin de dire partager, partager. Comme vous pensez que les gens vivent avec le truc. Bonsoir, madame, bonsoir. Il y a ma fille qui m'écrivait, quoi. Bien, le partage est fini. Bien, mes amis. C'est par tout hasard, là, quand j'ai mis le pause la journée, j'ai fait un petit live sur TikTok. Parce que, apparemment, il y a des compatriotes, des jeunes d'aujourd'hui qui viennent d'arriver sur TikTok, qui viennent de connaître les réseaux sociaux, qui se sont amusés de jouer avec mon dit non dans leur minable bouche, dans leur esprit satanique sur TikTok, en disant que je sème la division au Gabon lorsque je parle, j'indexe le Haut-Ogooué. Oui. Donc, dans la journée, vers les 11 h, j'étais sur TikTok. Grondant, en allant gronder, pas vous savez que moi c'est au tic-tac. Je choisis quand j'ai envie de prendre de la hauteur. Tout le monde sait que Claire, c'est du tic au tac. Donc, du coup, par cette action, je serai sur TikTok, recadrer un peu ces égarés des réseaux sociaux qui se croient tout permis parce que il y a quelqu'un en Chine là-bas qui a créé TikTok, qui fait en sorte que les jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent pas notre combat depuis des années se permettent de s'élever. Ils ne connaissent rien de la politique, ni de gauche à droite. Commence à parler. Donc, je suis allée sur TikTok là-bas, j'étais en train de recadrer ces enfants-là. Et puis, en parlant, on me dit que Bitom a mal ramassé, a ramassé Otunga. J'étais tellement contente. Comme je ne savais pas, j'ai dit que faites-moi transférer cet audio, s'il vous plaît. C'est comme ça, une des abonnées, pendant que j'étais en live, elle me transfère cela. J'écoute, j'étais. Ah non, j'étais aux anges, c'est quand même un viril, enfin. Bitom, c'est bien énervé. Moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal dedans. Sauf s'il a diffamé, sauf s'il pense que. Voilà. Il a insulté comme il se doit. J'aurais encore fait pire. Il a insulté au combat comme il se doit. Et ça, c'est bien. Depuis là, tu forces à être star. Ça pompe pas, mais ta bouche. Comme j'ai envie d'aller loin sur mon live, je vais te bannir. Parce que si tu penses que je suis là à être star, c'est que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu viens me suivre. Tu vois? Donc, je vais essayer de te bloquer pour ne pas me déconcentrer.
Voilà. Donc, c'est comme ça. J'écoute le live, j'écoute le live, je viens. Et puis, j'entends que non, Bitom a demandé pardon à Okumba. C'est ce côté qui va m'irriter. Ce n'est pas parce qu'il demande pardon, mais c'est ce côté-là qui va grave m'irriter. Et après, j'ai essayé de regarder à côté, je vois des lives de bravo, bravo, bravo. Et c'est là où je comprends qu'il y a une hypocrisie au Gabon qui n'a pas son nom envers le peuple franc. Et moi, je ne peux pas me taire. Oui, les amis, je ne peux pas me taire. Tant que j'ai encore la bouche, je ne peux pas me taire. Okumba m'a donné l'autorisation de l'insulter à vie. Vous le saviez? Avec moi, on sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça peut s'arrêter. Avec moi, même hier, quand ma maman est venue là, maman Laure est venue dans mon inbox hier et ce matin, me dire de calmer, de ne plus. J'ai promis à maman Laure sur certaines choses. Que oui, maman Laure, sur ça, sur le papa là, je ne vais plus parler de lui parce que ça te fait mal qu'on parle du papa décédé. C'est parce que ce sont des personnes qui me soutiennent. Et comme aussi, je sais qu'elle a de l'amour pour moi. Mais vous connaissez mes problèmes dans les réseaux sociaux. Quand je commence, je décide d'appuyer le bouton stop. Ce monsieur m'a donné l'aval, l'autorisation à vie de me balader avec son nom jusqu'à ce qu'on parte en justice. Et comme ça, je vais amener l'audio où il m'insulte là. Il va venir présenter ma vidéo qui est sur YouTube où moi je ne l'ai pas insulté. C'est pour ça que je vais dormir sur lui à vie quand je veux. Alors, je vois comme ça, j'ai encore vu un live quelque part. Bob a fait un live, a accueilli cet énergumène dans sa chaîne. Ça passe sur TikTok là-bas, je vis ça. Ça m'a encore énervé. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de jouer à la civilisation. Il faut arrêter à un moment donné de jouer aux personnes civilisées. Il y a de temps en temps, quand les personnes veulent nous manquer de respect, quand les personnes ne veulent pas la paix, il faut rappeler à ces personnes-là, nous sommes tous sauvages au Gabon, on sait être impoli et on peut aussi se respecter. Monsieur Wilfried Okumba mérite une correction, je le dis ici, parce que cet homme a toujours tenu les propos tribaux dans notre pays. Personne n'est jamais venu condamner cet homme-là. Que ce soit envers les Pounous ou envers les femmes. Monsieur Wilfried Okumba, il est des Gabonais les plus tribalistes et il a des soutiens derrière. Il a des soutiens derrière. Quand il s'agit de traiter un peuple, j'ai écouté encore le Dieu vous dit que le peuple femme est un peuple sans valeur. Le peuple femme est un peuple qui n'a pas de personnalité. Si Monsieur Wilfried Okumba a eu affaire avec un homme femme ou avec une femme femme qui n'avait pas de personnalité, pourquoi Wilfried se sent-il incapable de citer le nom de sa femme qui n'a pas de personnalité, qui est un traître, qui est une personne à qui ne pas faire confiance? Mais il a dit le peuple femme. Pendant des années, cet homme, depuis 2018 que j'écoute ses audios, que j'écoute ces tweets, pendant des années, cet homme a toujours eu le langage tribaliste envers le peuple, les peuples qui ne sont pas de haute gouée. Et on ne peut pas venir vous dire ça, vous attendez, oh, allez-y demander pardon. Mais surtout, on doit demander pardon à la nation gabonaise et surtout au peuple franc. Pourquoi vous voulez faire la paix en camouflant la réalité? Pourquoi vous faites les deux poids deux mesures? Parce que vous pensez qu'en venant vers l'unité, vous blaguez avec le mot unité, vous êtes incapable vous-même de connaître la notion de nullité. Vous êtes incapable vous-même d'aimer vos concitoyens quand ça vous plaît. Vous choisissez à quel moment vous devez parler de nullité lorsque ça sied dans vos intérêts. Vous parlez d'unité à quel moment lorsque on stigmatise toute une nation, toute une communauté. À quel moment j'ai vu des gens sortir, venir gronder, blâmer Otumba, ici là, Okumba, pendant des années qu'il a tenu des propos mal déplacés envers le peuple franc ou bien ailleurs. Vous étiez où? Il se sent trop intouchable par rapport à quoi? Il se sent trop intouchable par rapport à quoi? Et quand tu vois certains d'entre vous, quand vous voyez, quand je vous répète, c'est ça le Gabon qui gagne. Quel Gabon qui gagne? Le Gabon qui gagne, vous voulez, c'est quand on insulte toute une nation, toute une communauté, là ça gagne. Parce que quand maintenant le peuple femme va sortir, vous allez dire que non, nous sommes dans le repli identitaire. Mais pendant ce temps-là, il y a un groupe de personnes qui pour eux c'est normal de cataloguer bien, d'insulter toute une communauté. Ça vous va?
Ça, c'est l'unité. Quand les femmes sont sacrifiées, c'est l'unité. Quand les femmes sont sacrifiées au Gabon, tout le monde est content. C'est l'unité. Je me fais insulter par des gamines que je peux essuyer les caca aux fesses sur TikTok. Parce que je dis, le malheur du Gabon, la plupart, 80% vient du Wotogwe. Il y a des imbéciles qui ne connaissent pas les choses, qui s'énervent. Ne mélangez pas le Wotogwe dans ça. Mais lorsque vous mélangez les femmes dans ça, qui s'est levé pour faire la guerre au reste du Gabon ici? Quand on dit Wotogwe, là vous êtes fâchés. Mais lorsque vous mélangez les femmes, que les femmes ont trahi le Gabon, les femmes ce sont les traîtres, c'est les hommes sans machin. Tout ça, ça sort de la bouche de Wilfred Otunga. Et avec quelques radicaux, des femmes radicaux de Paris, des autres aux États-Unis, vous pensez qu'on ne vous connaît pas? On ne vous connaît pas? Vous partez faire des amitiés avec un femme, deux femmes pour dire que là, j'ai des amis femmes. Mais en réalité, vous pensez autre chose. Mais en réalité, vous amenez la zizanie. Vous divisez le peuple gabonais. Et ce sont les gens que vous insultez qui doivent venir vous demander pardon. Vous croyez pour qui? Ce sont les gens que vous stigmatisez qui doivent vous demander pardon. Vous vous prenez pour qui dans ce pays? Sommes-nous pas tous venus ici s'installer dans ce pays-là? Tout récemment, quand on a fait l'histoire de Zaoussa, on n'a pas vu comment chacun d'entre nous est venu en détail pour prendre, pour faire du Gabon notre pays. Chacun d'entre nous n'est pas venu en détail pour faire du Gabon notre territoire à vie. Hein? Dites-moi un peu. Lorsque vous décidez que toute une nation, on doit diviser par province, on doit diviser les gens, on ne doit pas parler. C'est cette hypocrisie-là qui va amener la guerre au Gabon. Je le dis ici, c'est cette hypocrisie qui va amener les conflits au Gabon. Cette hypocrisie où vous ne voulez pas soigner la blessure à la source, où vous faites semblant. Lorsque vous allez mettre sur table, que ce soit par référendum ou quoi, sur table, les mots qui riment entre les femmes et d'autres communautés, on pourra faire un semblant de paix. On pourra essayer de faire une paix semblable, mais aujourd'hui là, c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Lorsque Ndongsma a commencé à faire son gouvernement, vous avez développé des lèvres contre les femmes. Vous avez développé les larves. Lorsque Ndongsma a fait son gouvernement, je vous ai vu, j'ai laissé. Je dis que Seigneur, vous avez multiplié les postes. Vous avez insulté Ndongsma, vous avez insulté les femmes. On vous a regardé. Mais quand Wilfried sort, il n'y a personne pour dire que non, Wilfried, nous sommes pour l'unité nationale. Quand Wilfried insulte toute une communauté, il n'y a personne. Vous aimez le Gabon là pour qui? Hein? Quand c'est Wilfried aujourd'hui qui va venir, tu aimes le Gabon? C'est Wilfried aujourd'hui qui va venir connaître le Gabon, qui va vous aimer et qui va donner les secrets du Gabon. Il était où en 2016 lorsqu'on vous a tué? 90% des prisonniers étaient des enfants femmes. La communauté de Wilfried était où lorsqu'on a tué les Gabonais? Lorsqu'on a emprisonné, parce que 90% des jeunesses gabonaises qui étaient emprisonnées en 2016 étaient les femmes. Vous voulez qu'on en parle sincèrement ou bien on reste dans l'hypocrisie? Ne comptez pas sur moi pour mâcher les mots. Ne comptez pas sur moi pour faire une hypocrisie nationale. Parce que vous avez peur. Je n'ai peur de personne. Il y a beaucoup de tribalistes au Gabon. Vous n'aimez pas les presque 90 ou 70% des ethnies au Gabon n'aiment pas les femmes. Tout le monde le sait. Vous n'aimez pas les femmes. Vous-même, vous savez ce que vous avez vu en nous. Si, comment il s'appelle celui-là? Ndemezoro. Si Ndemezoro était un traître, ça vous donne le droit de traiter tout le peuple traître? Si Bilibize était un traître, ça vous donne le droit? Nous, quand on parle, on ne cite pas les noms des tékés. Quand on a envie de parler, on ne dit pas Bongo, on ne dit pas Mathias Otunga. Vous nous avez vu nous dire que le peuple téké était... Et ce sont des traîtres? Vous nous avez dit que le peuple Obama, ce sont des voleurs? Mais pourtant, nous arrivons à identifier qui est qui. Ça veut dire que quand on est là à l'école à Zondo, il n'y a que nous les femmes. Il n'y a que nous qui sommes intelligents au Gabon. Après, vous allez se plaindre quand on va dire que les femmes sont les plus intelligentes. Donc, ça veut dire que ce sont les femmes, les seules intelligentes qui arrivent à faire la différence lorsqu'ils ont affaire à une personne et à une communauté.
Mais vous, lorsque vous avez affaire à une femme, vous êtes incapable de prononcer son nom. Vous allez mélanger tous ces femmes-là. Vous allez faire des débats. Vous allez faire des lives. Vous allez permettre à n'importe qui que toute la population ait de la haine envers ce peuple-là. Et voici un énergumène, un connard, un fils de pute de merde, qui pense qu'en venant insulter mon bas de cul, ça va m'arrêter de le dénoncer. Qui pense qu'il peut m'arrêter comme il est arrivé hier. Il pense qu'il peut m'influencer ou même me faire peur. Un malade mental, un voleur, un criminel. Hier encore, il y a un informateur qui m'a appelé pour me dire que clair, ça ne sert à rien d'aller porter au Tonga plainte au Gabon. Si tu veux le porter plainte, fais-le en France. Et puis je vais demander pourquoi. Il va m'expliquer ta sombre vie, le pourquoi tu es ici, un voleur international, un détournement de fonds national. Voilà pourquoi tu t'énerves aujourd'hui. Ta sortie n'est pas une sortie patriotique. Tu es interdit de mettre pied au Gabon. Parce que tu as détourné les fonds. C'est les vôtres tous là. C'est les bas, vous tous là. C'est vous qui avez pillé le Gabon. Voici pourquoi tu t'énerves. Tu as investi en quoi au Gabon? Tu as fait quoi? Moi et mon derrière profondeur là. Mon compte profondeur, la merde de gens qui ont été insolents. À l'histoire au Gabon. Mais toi, avec les milliards que toi et ton père, vous avez mangé, toi et ta famille, vous avez fait quoi? Lorsque vous avez décidé que l'avenir du Gabon s'arrête dans votre province et on ne peut pas parler, il y a des énergumènes qui sont des roues de goût. Vous venez parler. C'est quoi cette injustice-là? C'est quoi cette injustice que vous faites au Gabon? Vous pensez que vous influencez qui? Vous faites peur à qui? Sincèrement, vous faites vraiment peur à qui dans ce Gabon-là? Vous ne vous rendez même pas compte. Hein? C'est parce que nous sommes un peuple de paix. Je le dis ici, je ne vais pas mâcher les mots. Parce que nous sommes un peuple de paix, nous le peuple femme. Parce que si la petite guerre que vous voulez créer là, on sait, regardez même la comment on appelle, la densité de notre pays et peuplé, le peuplement gabonais, regardez le peuple le plus nombreux. Donc ne provoquez pas les gens parce qu'on ne vous répond pas. Ne provoquez pas les gens parce que les gens ne vous répondent pas. Parce que les gens pointent tout simplement votre haine, votre acharnement. C'est l'homme qui était venu en pleine télévision là, tout sauf les femmes. Personne n'est sorti punir. J'étais sorti si j'ai commencé à crier. Et j'ai vu certains activistes, oui, il a dit quoi de mal? Vous avez mené un repli identitaire, vous n'amenez jamais de preuves. Avec quand vous faites sortir des paroles dans vos bouches, vos paroles doivent être validées, doivent être acceptées par tous. Un énergumène comme ça se balade avec la haine. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas le sensibiliser. Vous voulez qu'on demande pardon à des chiens de merde. Et puis je vois les gens qui disent, qu'est-ce qu'il a dit de mal les dents? Vous les femmes qui avaient amené les repris identitaires, on a amené ça où? C'est nous qui avons dit tout sauf les femmes. Dans ce Gabon, c'est nous qui avons amené la devise tout sauf les femmes. Hein? Tapotez-moi le corps, mettez le corps s'il vous plaît. Mettez le corps. Donc, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas vu la vidéo en question. C'est sur mon commentaire sur le post que j'ai fait. C'est un abonné qui est venu me dire ça. Du coup, je ne sais pas si Bito m'a vraiment demandé pardon. Si Bito m'a demandé pardon, je vais te demander que grand frère, tu demandes pardon pourquoi? Je dis bien si, parce que je n'ai pas vu ta vidéo. C'est quelqu'un qui est venu mettre sur mon post en bas que tu as demandé pardon. Si tu as demandé pardon, je te pose la question, pourquoi? Qu'il est trop qui? S'il y a quelqu'un qui lui doit des excuses, qui lui doit des excuses au Gabon, c'est cet homme-là. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Il faut arrêter à un moment donné de nous rabaisser pour avoir peur. Parce qu'on va dire que non, on va bien se comporter. Si jamais le comportement de voyous, on va se comporter comme des voyous, nous tous ici. Puis on va se respecter. Moi, j'ai appris dans mon plus jeune âge que pour imposer le respect, on doit se sentir. On doit assumer les aisselles. On doit se mesurer. C'est quand dans la mesuration là, c'est dans la bagarre là, au sorti de là, il y aura la paix. Je le dis ici.
À un moment donné, il faut que nous, on impose le respect dans ce pays. Et imposer le respect, c'est commencer par les condamnations. Je lance un appel au président, M. Clotaire Oligingma. Dorénavant, toute personne qui va tenir les propos tribalistes ou tribaux, surtout envers le peuple femme, doit faire la prison à vie. Doit faire la prison à vie. Donc, comme tu ne peux plus aller au Gabon, voilà pourquoi vous le voyez aisément parler. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus, ne mettra plus jamais pied au Gabon. Donc, même si je porte plainte là-bas, ça va mettre 100 ans, il ne mettra plus jamais pied là-bas. Il ne mettra plus pied là-bas. Donc, si je vais le porter plainte, c'est ici en Europe. Ça veut dire qu'il faut que j'attende d'abord que ma nouvelle plainte ça aboutisse. Ou bien quand j'arrive à Paris là-bas, en décembre là, je porte plainte. Parce que lui, en France, au Gabon, il est interdit. C'est un voleur. C'est un détournement de fonds. C'est un détourneur de fonds. C'est un criminel. Il a beaucoup de chefs d'accusation et c'est lui qui veut venir insulter les gens. Et c'est un yélé yélé, comme disent les Ivoiriens. C'est un ayamoussoumoulé. Banouyé par l'arrière. C'est lui. Pour avoir l'argent qu'il détournait là, il était la bordel du bord de mer. C'est lui qui va venir parler de mes entrejambes. Un homme qui donne le derrière pour vivre, celui qui va ouvrir sa bouche envers une femme digne comme moi. Hein? Pour vivre, toi, un homme, tu es obligé de faire un sacrilège. Tu donnais ton derrière pour qu'on te donne de l'argent et c'est toi qui viens t'asseoir. Tu viens insulter les gens. Toi, tu peux insulter un enfant. C'est là, moi je dis que nous les Gabonais, c'est pas bon. Hi. Yeah, who are you? Hein? Yeah? No, man alive, je suis à elle. Yeah, sorry. I am live. Online. Yeah, yeah. I'll call you later, please. Voilà moi qui va parler en anglais que non, mais live. L'oubli de ça. J'avais oublié que je suis en Angleterre. Voilà, je parle même le fang aux pauvres gens. Voilà la colère, c'est ça. Mon live. Donc. Moi, j'estime que si on veut construire le pays, et ça, ce message s'adresse à mon beau-frère, à mon président, hein, à mon prochain, voilà, à mon prochain roi, Monsieur Oligui, puisque vous m'avez qualifié de distributrice automatique. Monsieur Oligui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de déplacer les échiquiers. Vous avez ce pouvoir-là. Les 2 ans qui vous restent là, vous avez le pouvoir de mettre les bases là où il faut. Des personnages comme cet énergumène qui passe son temps à se plaindre comme une bordelle qu'on n'a pas payée dans les réseaux sociaux ne mérite plus de mettre pied au Gabon. Et s'il vient au Gabon, il doit avoir une plainte, il doit faire la prison. Pour tenter de diviser le peuple gabonais. Il ne le fait pas qu'aujourd'hui. Il le fait depuis longtemps. Moi, mais oui, je suis comme il est du Wotogwe, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Comme s'il pense qu'il est au-dessus des lois. Quand il va venir faire, moi, Wifi de Okuma, quand il va venir réciter cette connerie de son arbre diabolique congolais. Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Et puis les gens vont avoir peur de sa gueule. Sauf que Wifi, ce que tu oublies, c'est que ce que toi tu vomis, c'est peut-être le vent. Il y en a qui vomit aussi le feu. Moi, c'est le feu. Ta grande bouche et ma grande bouche à côté, c'est rien. Tu comprends? C'est rien. Tu es poli, moi je suis sauvage. Tu es poli, comme tu es sorti par le cul de ta mère là.
Parce qu'elle n'a pas de profondeur. Comme ta mère t'a accouché par le cul pour venir emmerder les gens matin, midi et soir. Sommes-nous responsables de ton échec en France? Sommes-nous responsables de ton manque d'éducation? Sommes-nous responsables de ton manque de savoir vivre en communauté? Hein? Tu ne connais pas les gens sans qui on détourne l'argent. Quand tu me vois parler, vous ne me voyez pas moi-même et parler mal à mon propre parent de Logo et de Bilibize ici. J'ai besoin de mélanger tout le monde pour parler à Bilibize. Lorsque je parle à Sylvia, j'ai besoin de mélanger. Quand j'ai parlé à Mathias Otunga ici, j'ai mélangé le autre Gwe. N'ai-je pas identifié une personne? Mais parce que vous êtes incapable, parce que vous êtes nourri par la haine, parce que vous ne savez pas le ça, vous ne connaissez pas ce que c'est le savoir-vivre communautaire. Tu es en Europe ici, tu ne connais même pas les bases de vie en société. Tu diffames surtout, tu mens surtout. Parce que tu veux te rendre intéressant, parce que tu veux qu'on accorde, on accorde un peu du crédit à ce que tu dis, parce que tu veux attirer l'attention et pour avoir une nomination. Et tu viens mentir, tu penses que je veux une nomination, je ne veux pas de nomination, tu veux une nomination. Sinon, pourquoi à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, tu n'as jamais dénoncé? À l'époque d'Ali Bongo Ondimba, pourquoi tu n'as jamais dénoncé Ali Bongo? Donc je ne suis pas d'accord avec vous, peuple gabonais. Je ne suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas. Si Bitoma, c'est-à-dire que là, si quelqu'un a la vidéo là, faut m'envoyer ça. Si Bitoma demandait pardon, ça ne me plaît pas. S'il y a un énergumène dans ce pays qui doit s'agenouiller et demander pardon, je suis chez moi qu'à nu, c'est monsieur Wilfried. Bob le fou, je t'ai vu prendre Bitoma là-bas. Tu sais que moi, je ne blague pas. Je ne suis pas dans le sans-baptisme. Je t'ai vu prendre Bitoma dans ton truc, Bob. À un moment donné, il faut arrêter de savoir vivre là. À un moment donné, il faut arrêter de l'imbécilité de savoir vivre envers les gens. Tu comprends? Quand celui que tu as invité insulte ta communauté là, tu ne lui as pas arrêté pour l'encadrer, que, le recadrer, que non, arrête ça. Nous sommes un petit pays, ne commence pas ça, ta merde là. Tu l'invites, tu parles avec lui, on dirait pourquoi? Vous avez trop peur de lui, pourquoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi les hommes d'aujourd'hui, vous êtes tous mangés comme ça là. Hein? Bob, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas pourquoi vous faites semblant de ne pas voir les choses. Pourquoi vous voulez toujours étouffer les gens. Pourquoi vous voulez étouffer les choses. Tapotez-moi le corps, vous me regardez pourquoi. Vous êtes à 130 personnes connectées, vous me regardez, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de truc. Oh. Maman, c'est que... En tout cas, ce sont des fantômes qui viennent me regarder. Maintenant, vous mettez le cœur quand je crie. Donc, normal, quand je parle, ça ne vous plaît pas. Je bois mon eau. On me dit que parle doucement. Moi aussi, il faut que j'apprenne à parler doucement. La nouvelle république, si certaines personnes ont peur de cette nouvelle république, c'est tout à fait normal. Vous savez, il faut comprendre le cycle de vie. Plusieurs personnes ne sont pas habituées avec le changement sociétal. Il y a certaines personnes, tellement ils ont vécu dans une situation, avoir du nouveau dans cette situation-là fait peur. Et c'est ce que beaucoup de Gabonais vivent, surtout ceux qui ont eu des privilèges. Ceux qui ont eu, bonjour mon frère de Côte d'Ivoire, ceux qui ont profité des privilèges de ce système dictatorial que nous avons vécu. Ce n'est pas contre Lingui qu'ils ont peur. Ils ont peur du changement. Ils ont peur qu'ils ne pourront plus avoir, oui, l'aisance qu'ils avaient dans ce pays. Ils ne pourront plus avoir l'abus du pouvoir que certains avaient dans ce pays. Ils ne pourront plus avoir l'accès aux finances, aux deniers publics qu'ils avaient dans ce pays. Et pour ça, ces personnes-là sont sur la défensive. Ces personnes sont sur la défensive. Et ils vont tirer sur tout ce qui bouge. C'est ce que vous voyez avec Otunga. Okumba. Parce que pour lui, hier, c'était sa famille. C'était leurs amis, leurs copains qui avaient ce système en main. Aujourd'hui, pour eux, comme pour une fois dans l'histoire, que... Il y a peut-être le Gabon est géré
Partagez parce que je suis désolée. Olingi a fait en sorte que tout le monde soit là. Toutes les 9 provinces soient représentées. Et s'il y en a qui ont un peu l'effectif un peu plus supérieur, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que peuplement que nous sommes dans les 1,5 million ou 2,5 millions là. Le Gabon occupe peut-être 50% de la population gabonaise. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être là-bas. Mais je pense que Olingi a bien fait les choses. Mais quand tu regardes l'acharnement aujourd'hui, que certaines personnes qui se disent, comment on appelle, citoyens, qui se disent citoyens de ce pays, qui se disent les gens qui veulent la paix et l'unité, quand tu vois leur langage, prenez l'exemple lorsque Ndong Sima met son gouvernement, combien de fois m'a envoyé la capture d'écran là? Claire, tu ne dénonces pas. Ndong Sima a mis que les femmes, les femmes. Ndong Sima a mis que les femmes, les femmes. J'ai vu les lèvres développer. Le Gabon va devenir dominé par les femmes. J'étais là, il dit que Seigneur, je suis au Gabon, où je suis au Sénégal, où je suis en Afrique du Sud, où je suis où? Les femmes sont les Gabonais. Mais non, il y a un groupe de personnes, un groupe de crépuscules, comme on dit, un groupe de tonnerres vides, un groupe des illettrés, un groupe de merdiques, un groupe de chiennes, un groupe de chats, un groupe de connards et de connasses qui ne voient pas les choses comme ça. Donc si une femme a plus de compétences qu'un Mapounou, on va mettre un Mapounou à la place pour équilibrer, même si le Mapounou n'a pas de compétences, mais on va mettre un Mapounou. Parce qu'on ne veut pas de femmes. Même si le femme est qualifié, ne le mettons pas. Puisqu'il est femme. On va mettre un Mapounou. C'est ce que la plupart des tribaux là veulent nous faire croire au Gabon. Ça veut dire que si on est dans un groupe et qu'il y a 10 femmes qualifiées, les 10 femmes qualifiées ne doivent pas occuper de poste parce que ce ne sont pas des Gabonais. Si dans le gouvernement et qu'on regarde dans les nominations, on va voir dans le pays qu'il y a plus de 10 000 ingénieurs gabonais et qu'il y a peut-être 5 ingénieurs. Bilop, il y en a des individus là, des connards et des connasses vont décider que non, on va priver les 10 000 ingénieurs gabonais, on va prendre que les mineurs parce que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des responsabilités dans ce pays. C'est leur langage. Moi, je ne suis pas là pour faire l'hypocrisie. Vous le savez très bien comment ça se passe dans les réseaux sociaux-là. Et ça, personne ne condamne cela. Je ne vous ai pas vu lever. Ce que j'ai vu, j'ai quand même vu quelques laves à gauche, à droite, les gens recadrer Okumba. Mais ça, c'était sous le coup d'État. J'ai vu. Mais je n'ai pas vu aussi les tribalistes venir sortir. Ils étaient contents. Parce que les tribalistes, là, quand on parle mal des femmes, ils sont contents. Ils jouent dedans là-bas. Ils sont contents. Je ne suis pas femme non plus. Ndzebi. Les Ndzebi sont les plus nombreux au Gabon. Quand tu viens me dire ça là, tu veux que je fasse quoi de cette information? Je suis en compétition avec le nombre d'Ndzebi qui sont au Gabon. Voyez les mentalités. Tu as un sujet à gauche, il amène à droite. Toi le Ndzebi qui est là, tu es venu arrêter le tribalisme qui existe envers les femmes, puisque vous êtes beaucoup nombreux, donc vous pouvez nous protéger, non? Monsieur le Ndzebi, puisque vous êtes nombreux au Gabon, pourquoi vous ne protégez pas la minorité femme que nous sommes, que vous voulez nous tuer? Hein? Quand on veut nous tuer dehors ici, vous les nombreux là, vous êtes où? Vous pouvez nous protéger? Vous pouvez nous défendre? Hein? Les Ndzebi sont plus nombreux au Gabon. Donc vous êtes nombreux et vous vous cachez dans les maisons quand il y a des injustices au Gabon. Vous êtes nombreux et vous voyez comment on maltraite notre communauté. Vous êtes assis. Quand vous êtes supérieur là, quand vous êtes en nombre supérieur là, dans les pays normaux là, vous devez sortir et protéger les autres qui sont faibles. Non, toi tu viens dire que les émissions sont nombreux. Je fais quoi avec cette information? Quel est l'impact que vous allez faire au Gabon avec votre chiffre nombre one, nombre là? Vous avez dit, vous dites qu'on a, ben, vous êtes nombreux au Gabon. Mais bon, on est. Mais il y a quoi pour te vivre là? Tu es femme?
Je suis en train de faire un lame de vie. Je suis en train de faire un lame de vie. Toujours les maboules à venir me déconcentrer dans les débats maboules. C'est tout ça qui vous tue ici dehors. Quand on a un débat ailleurs, vous amenez ça à gauche. L'enfant du soleil, comment tu vas? Les Gabonais me prennent donc. Wakoba a doit faire, n'y a pas de nom, mais désolé, mais je vais me nombrer. Mais je vais me dans le nombre de Gabon. Il y a un peu de formaté, mais Dieu soit va, nous ne faisons pas de nombre, mais ça, tu n'as pas un. Gabon en est Sida. Il y a comme ça, on va me dire, mais il est à mon bord. Mais tu as encore bien, il y a un feu. Mais tu as encore bien, il y a un enfant, à bien, il y a mon bord, c'est un Sida. Mais il y a dit, ne vous pas ta 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 Mbongo tu m'as dit na mina djiga bon boko e mina vanga mele mina va on est venu à la fanga mia bobo un tam tena zé voilà moura wulu non on coule si vous ensemble on coule you mia bobo met tena zé hein il est me gardu na ngo mia kumi ti bo mina le Gabon na vous voulez faire semblant de l'unité olingi. Tu ne pourras jamais faire l'unité au Gabon si tu ne règles pas le problème principal tribaliste qui existe au Gabon. Les deux ethnies, même toi un peu, qui font un peu de tribalisme là, au Gabon. Quand je vais encore citer leur nom là, il y a des bâtards qui vont venir m'embêter. Mais les Tekés sont dedans. Les Tekés number one. Et puis quelques-uns de miennes. Deuxième, je dis bien, là je vais au moins préciser. Parce que j'ai subi beaucoup de tribalisme de quelques-uns des miennes dans cette résistance. Oui. Elles se reconnaissent là-bas à Paris. Ils avaient pris Ping comme leur président. Parce que Ping n'était pas le président des Gabonais. C'était le Ping, le président des miennes. Quelques-uns des miennes. Pour eux, là, au moins, je vais identifier comme ça, là. À Paris. On nous a arraché le micro, monsieur le président. On n'avait pas le droit à la parole. Quand une femme s'en vient, on fait les bagarres avec nous. On nous arrache le micro. Parce que il y avait que les miennes là qui devaient parler. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les vois même plus. Elles ont tous disparu. Les échoués du premier banc. Parce qu'ils avaient tous pensé qu'ils vont prendre le poste. Ils vont tous devenir les secrétaires particulières. Elles sont tous aujourd'hui quand je suis. Elles sont rentrées. Et puis il y a les tékés. Les gros radicaux tékés du Wotongwe. Si vous êtes trop fâchés, énervez-vous, suicidez-vous. Je ne suis pas dans l'hypocrisie, c'est vous. Voilà les deux ethnies au Gabon qui en veulent aux femmes. Les Pounous, à part Mangang, Nguizouma, c'est qui Nguizouma, ouais. Ils sont rares. Il n'y a même pas un Pounouké, machin. Mais voici les gros ethnies, la plupart d'entre eux, je ne vais pas mélanger, mais la plupart des personnes qui parlent de tribalisme viennent de ces deux ethnies-là au Gabon qui ne veulent pas voir les femmes. Donc il faut d'abord mettre la paix, il faut d'abord mettre balle. Comment on appelle ça? Balle à terre. Faut d'abord mettre balle à terre. Avant toute chose, lorsque les choses seront mises, chacun va venir vomir. Oui, bon, on va commencer aujourd'hui. On va commencer avec, je vais commencer avec les quelques miennes de Paris qui m'avaient mis les cornes que je suis une femme tribaliste. Ils vont me montrer en quoi moi j'ai été tribaliste dans le Gabon. J'ai des vidéos là ici. Monsieur le Président, on a les archives. Eux, ils ont le problème avec les bourreaux, ceux qui ont la mémoire courte. Le problème avec les pervers narcissiques, ceux qui ne reconnaissent pas leur danger. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont un danger. Ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils font aux autres. C'est ça le problème avec la plupart. Eux, là, je les qualifie de pervers narcissiques. Avec qui finit de te faire du mal et puis va te considérer comme ton ami. Mais les personnes comme les Banous, les victimes, c'est-à-dire que les victimes sont là. On garde toutes les preuves. On garde toutes les preuves. Donc, lorsque vous avez fait votre dialogue, monsieur le président, ne commencez pas le dialogue sans mettre à bas le tribalisme au Gabon. Claire, ne te fâche pas. Ne me fâche pas, papa. Ne me fâche pas, comment? Toi aussi, vous venez de Claire. Eh, Dieu d'abord.
Je suis énervée, Yako Tunga, qui me met en colère? C'est pas vous, c'est pas toi qui va me mettre en colère, mais il ne faut pas avoir les yeux comme ça. Yako Okumba, qui va me mettre en colère? Okumba et moi là. Lui et moi, c'est un bébé. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, avant de faire ça, on doit remettre tout à zéro. Il y a plusieurs ethnies au Gabon, il y a toujours les seuls qui sont dans les palabres. Vous n'allez pas voir les palabres comme mon frère qui est venu, que les Kigi, les femmes, les Nzébi sont nombreux. Vous n'allez pas voir les palabres entre les Gissir, les Nzébi et les femmes. Jamais. Vous n'allez pas voir un conflit qui va opposer les Michogo et les femmes au Gabon. Jamais. Regardez bien vous-même. Observez l'histoire. Observez. Sauf si c'était avant ma naissance. Vous n'allez pas voir un conflit gouvernemental. Un conflit gouvernemental avec Mitsogo et le peuple fa. Jamais. C'est toujours les deux ethnies que je viens de vous citer là. Si ce n'est pas les Teke qui se croient les dirigeants. Moi, j'ai l'audio des activistes Teke qui disent que d'abord, le pouvoir c'est chez nous, c'est chez nous au Togo. Si on veut finir avec vous, on finit. J'ai ça. J'avais les tripes au cœur. Mais quand la personne est devant vous, vous ne saurez pas. Vous ne savez pas ce que les gens pensent en inbox. Mais quand la personne, les personnes sont devant vous, elles font, on aime le Gabon. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté d'entendre toutes les conneries des personnes qui viennent véhiculer une fausse paix. Ce sont des menteuses et des menteurs. En réalité, ce sont des frustrés. Ce sont des personnes qui veulent briller et pour briller, doivent détruire. Je vous le dis ici, moi je n'ai pas à mentir. Le pouvoir est dans notre province. C'est nous qui commandons le Gabon. Sortant de la bouche de quelqu'un qui prône pour l'unité et la paix. Et vous pensez que c'est des conneries que vous venez faire dans les réseaux sociaux parce que vous allez voir deux personnes s'associer. Vous pensez que le Gabon se retrouve dans les deux personnes là. Les deux hypocrites s'associent. Vous pensez que c'est quelque chose. Deux hypocrites ou deux sorcières ou deux sorciers s'associent dans les réseaux sociaux. Vous pensez que ça peut amener quelle valeur dans notre pays? Les valeurs que nous devons défendre ici, que nous devons inculquer à nos enfants, que nous devons éduquer, léguer à nos enfants. Ce que tu sois de quelle province, tu es Gabonais. C'est l'amour de notre patrie. Ne regarde pas l'ethnie, ni la race, ni quoi, ni même ma taille de 1m50. Regarde ce que l'autre est pour ton pays. Si tu aimes, si tu t'aimes, si tu t'aimes, Tania bien. Hey, Dieu, je serai à l'école ou je serai vers l'école. Ah, on peut être diplômé mal parler français comme ça. Si tu es, on dit comment? Si tu aimes toi-même, si tu t'apprécies toi-même, tu ne peux qu'aimer les autres. Même la France, c'est que les femmes. Ah, si tu t'apprécies toi-même, tu ne peux qu'apprécier les autres. Continue à tapoter l'écran. Le but de tapoter l'écran, ce n'est pas que vous m'aimez. C'est pour qu'on puisse continuer à faire notre live tranquillement. Parce que Facebook, ces robots sont sourds. Donc ces robots vont voir qu'on ne parle pas et dire que ce n'est pas un bon là. Vous êtes seulement voilà, capia, ça a coupé. Parce que vous n'avez pas envoyé les signaux à Facebook. Il va s'ennuyer là-bas. Donc lui, quand il va s'ennuyer, parce que lui, il a besoin de soi. Il a besoin de ça pour être, pour augmenter ses statistiques. Donc quand il va voir que là-bas, il y a quelqu'un qui fait les lives avec 100 combien de personnes connectées. Et ça ne réagit pas. Ah non, 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 je m'en vais bloquer. Pac, il va me fermer mon live. Et puis, ma colère va disparaître parce que vous êtes venu me regarder comme les robots. Bitomna, merci, attendez. Bitomna, je me dis pardon, Okumba, ça va commencer comment? Ah, merci, attendez, je vais vous lire ça. Si tu me dis ça là, heureusement, je n'avais pas encore engagé sur Bitomna. Parce que là, ça m'a énervé de lire ça. Hein. Attendez, je vous lis ça avec vous là, attendez. Je vous lis ça, c'est une abonnée qui est venue commenter sur ma page, sur mon truc. Alors. C'est Tatiana. La Master, Bitom vient de faire une vidéo où il demande pardon. Bitom vient de faire une vidéo où il demande
Pardon. Donc, elle a publié ça il y a 7 heures. Donc, comme moi, j'ai des tics dans ma tête, quand je lis un message, je zappe. Je zappe. Ça me choque d'abord. Il te m'a demandé pardon. J'ai laissé d'abord toute la journée. Ça allait faire mes démarches. Ça allait déposer la face revenue. L'homme là, il a bien parlé. Il a bien insulté. Il va jusqu'à demander pardon. Qu'il y a quoi? Donc, je réécoute encore. Moi, je suis comme ça. Oh. Je réécoute encore l'audio. L'audio diabolique de Bitom que j'aime tellement. Non, j'ai tellement aimé l'audio là que j'ai. Non, si Bitom était là, moi, j'allais sauter sur lui. J'allais sauter sur son dos. Lui faire les câlins. On peut ramasser quelqu'un comme ça. Et puis, je vais encore écouter l'audio de Victor. Mais il n'a rien dit de mal. Parce que les injures, même là, c'est petit. Moi, où je suis là, j'ai même envie de bien insulter. Mais comme, je ne sais pas, ma folie va, où ça va s'arrêter, je me retiens. Et puis, j'entends qu'il a demandé pardon. S'il a demandé pardon, c'est pour ça. Donc, si vous me dites qu'il n'a jamais demandé pardon. Ah, voilà, il a regardé pardon. Mais là, toi qui... Regardez. Soyez ma chatte, je vais t'épingler. Bella vient de dire qu'il a demandé pardon. L'autre a dit là-bas qu'il n'a pas demandé pardon. Donc, il faut vous décider. Il faut... Attendez, je t'ai plaigné. Voilà. Donc, si toi, tu n'as pas vu ce qu'eux, ils ont vu, c'est sûrement que toi, tu n'as pas encore vu. Voilà, on vient de m'envoyer sa victoire. On vient de demander pardon. Voilà, merci maman. Ouais, pendant que je parle. Non, j'aime les gens comme ça. Maintenant, on va vous montrer ça. Merci maman, merci maman, merci maman. Attends, je vais faire passer. Je vais faire passer. On vient de m'envoyer pendant qu'on parle. Merci maman. Bitton vient demander pardon. Merci. Merci maman. C'est là la vidéo. Vous savez, même Jésus, lorsqu'il est allé à Jérusalem et au temple, il a trouvé des gens en train de vendre des choses dans le temple de son père, c'est-à-dire l'église. Il s'est fâché. Il a cassé les choses, c'est-à-dire il s'est fait emporter. Et je suis pas saint. Hein? Le seul saint, il est au ciel. Je marche sur terre. Je fais des bêtises. Je respire de l'air. Je mange le sel, le piment. Je bois de l'eau. Mm-hmm. Comme tout être humain sur terre. Ah, mais quand même, je prends les longueurs. J'ai fait une faute. Une faute Et une faute avouée et pardonnable. Sauf si la personne dont j'ai offensé me pardonne. Et je vais parler de mon très cher aîné, une fille de combat. Ah non, moi je ne peux pas. J'ai pas envie d'écouter ça. Ça me donne la chair de poule. Je n'ai pas envie d'écouter ce genre de conneries. Ça me donne la chair de poule. Moi, ça m'énerve. Monsieur Victor, ça m'énerve. Tu n'avais pas alors à l'insulter. Si tu savais que tu devais être lâche après, il ne fallait pas insulter. Si tu savais que tu as fait une faute, que l'homme là, il insulte ton peuple. Lui, il a raison d'insulter ton peuple. Toi, qui se défend, qui se lève pour défendre ton peuple, toi, tu as une faute. Non, je n'aime pas les lâches. Il ne fallait même pas commencer, mais Romano, tu m'y répondre. Mais je ne vais pas t'insulter. Magnorza Mamete. Magnorza Mamete. Wakata, ou avant sa faute. Ou va avant sa bitom. Abitom. Ou va chier. Ou va chier à quel moment? Hein? Ou va t'en nous dire, ou 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 comment t'as dire, ou dire, hein? Finalement, c'est la paix ou l'apaisement. Je ne veux ni l'un ni l'autre si vous ne voulez pas reconnaître vos bêtises qui sortent de vos bouches. Je ne suis pas hypocrite, Stéphane. La paix se porte vers les femmes. Ce n'est pas les femmes qui doivent vous faire la paix. Vous ne nous commandez pas. D'accord? La paix, c'est quand les femmes doivent se courber. Quand les femmes doivent se faire enculer. C'est là où vous voulez la paix. Donc, c'est ça pour vous la paix. Quand une fille, fils, femme comme ça va se rabaisser, s'humilier, c'est ça la paix. Mais quand une fille nous insulte depuis 2018, vous ne le calmez pas. Finalement, vous voulez la paix. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Tant que vous n'allez pas arrêter de prendre les femmes comme des cons. La paix viendra lorsque vous allez se respecter. On va se respecter. Donc je dois me faire petit pour que toi tu puisses être heureux dans ton âme. Je dois me rabaisser pour que ta frustration puisse cesser. C'est ça. C'est ça que vous voulez demander au peuple femme. Qu'on doit se rabaisser. On ne doit pas être qui nous sommes. Parce que vous souffrez trop de vos frustrations de merde. Je ne veux ni l'un ni l'autre.
Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je suis pour le respect mutuel. Si vous ne me respectez pas, ne me demandez même pas un peu de vous respecter. Vous comprenez? Si vous n'avez pas compris ces principes-là, c'est que vous êtes tous des hypocrites. Le respect est mutuel. Vous respectez les autres, on vous respecte. Vous n'allez pas demander aux autres que faites la paix. Finalement, vous voulez quoi? La paix ou l'apaisement? Non. Pendant des années, nous sommes insultés, stigmatisés. Vous, le reste du peuple gabonais, vous êtes où? Il y a plus de 100 ethnies au Gabon. Vous êtes où? Vous êtes où pour marcher? Vous êtes où pour contester? Vous êtes où pour dire qu'arrêter? Ça peut aller loin. C'est comme si vous oubliez les gens. C'est parce que c'est encore les folles comme nous, comme ça, qui parlons. Hein? Tu as écouté les audios de Okumba, non? Quand il dit que le peuple femme, c'est un peuple tête, traite. C'est un peuple qui n'a pas de personnalité. C'est un peuple qui ne vaut rien. C'est ça la paix? C'est ça l'apaisement? C'est ça l'apaisement? Et quand moi je sors, dit que non, le Gabon est pourri aujourd'hui là, à cause de 70% des tétés. Vous vous levez, vous m'insultez. Parce que vous, vous avez trop mal. C'est vous qui avez le cœur. Les femmes ont l'eau dans le cœur. Pour vous, c'est le sang. Vos cœurs là, c'est le sang. Pour le cœur de femme est rempli de pâte d'arachide. Nous, on est rempli par la pâte d'arachide. On ne ressent rien. C'est quand on parle de vous que vous voulez trop montrer que vous êtes des êtres humains. Nous sommes les extraterrestres. Rien ne nous touche. Ça m'énerve, Bitom. Tu m'énerves. Bitom, allez-y dire à Bitom qui m'énerve. Tu n'avais pas demandé pardon. Ou t'as rien sur le Bitami. Bandari Lang. Amane Tabou, ça, il a dit ça. Nya, aïe, il a dit sur le Bitami, Gabonais. Aïe, il a dit sur le Bitami, Befan. Ok, je vais voter. J'ai voté. Je suis un être humain. Regarde-moi l'autre. Stéphane, si tu veux que je te bloque, je vais te bloquer. Fais encore un message bête hors sujet là, je te bloque. Comme je suis en train de parler avec les poils de cul qui sont de ton cul là, que tout le message que je suis en train de dire là, tu n'as pas saisi, tu viens me demander qu'est-ce que je propose. Je propose que tu te dégages d'ici, vite fait. D'accord? Je n'aime pas les gens qui viennent m'importuner. Vous faites semblant dans ces pays ou bien ça ne vous va pas. Tu as proposé quoi au Tunga? Au Kumba? As-tu recadré au Kumba? Ou bien as-tu recadré toutes les personnes tribalistes de la résistance gabonaise? Hein? Regarde, tu dis à quelqu'un, tu dégages de mon là, c'est insulté. Donc toi, tu ne me connais pas mes injures. Quand je vais t'insulter, c'est là où tu vas mettre les icônes de pleurs là tout à l'heure. Là. Vous avez cette facilité de partir de coq à l'âne. Vous avez cette facilité de fuir les débats qui font mal. En fait, vous avez peur des dégâts, des débats qui font mal au système. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous mette face aux réalités, face à vos fautes. Vous aimez que les autres puissent avoir, tort. Toute une vie, les femmes vont avoir tort. Ou parce que moi, je vais venir manger de ce repas maboule. Je vais venir manger de ce repas maboule. Le coup d'état qui est en train de se faire contre Lungila, c'est un coup d'état de quoi? Le coup d'état, si ça aurait été un teke qui était là-bas, vous pensez qu'il devait avoir un coup d'état? Qu'est-ce que ces gens-là ont voulu faire en août là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en août de cette année? Ils ont voulu nous imposer encore les mêmes personnes, non? Vous là, le Wotebo, vous allez faire quoi? Ah, vous allez faire quoi? C'est ça, ça doit encore. Attends, que quoi comme femme? Oh non! Mikuma Bode. Mikuma Bode. Ngolo Wote 1-1-2 en août. Quand Bongo a volé les élections, vous, qu'est-ce que vous devrez mettre en place pour enlever ça? Rien. Olingi, avec ses amis, a décidé
d'entendre des cris. Ils ont dit que non, on ne va plus avoir ces activistes-là au dos. On ne veut plus aller au Parlement européen. On va faire quelque chose. Ils prennent l'assaut. Donc, je suis fière de ce coup d'État. Qu'il soit militaire, qu'il soit politique, qu'il soit diabolique, qu'il soit diabolique. Je suis pour ce coup d'État aujourd'hui jusqu'à l'enfer. Bébé! Et voici quelques ratés de la société qui sortent là-bas, qui vont faire un autre coup d'État envers leur frère Olingi. Pourquoi? Parce qu'il a le sang mêlé. Vous ne voulez pas entendre cette vérité. Parce que Olingi a le sang mêlé. C'est la vérité là qui vous traumatise. C'est la vérité là qui dérange. Si Olingi n'avait pas le sang mêlé, le coup d'État là allait être un coup d'État réussi. On allait voir les Angela Mona, Matin Midi là-bas, comme ce connard de fils de mère de pute sorti par le cul de sa mère devait être là-bas. Mais comme ils sont tombés sur un sang mêlé, un rejeton de la société, parce que nous les femmes, nous sommes les rejetés de notre société. Ils décident de mettre un coup d'État pour tuer leur propre frère. Parce qu'après tout, Olingi est un Gabonais. Après tout, Olingi est un Gabonais. Qu'on vous l'aimiez ou pas, qu'on aime son coup d'État ou pas, est un Gabonais. Il a aussi le droit de tenter de faire quelque chose pour son pays. On pourra le juger après. Mais moi-même, je le juge encore pour le moment parce que parfois, il m'énerve. Mais je suis pour son coup d'État. Pendant 50 ans, les mêmes personnes qui veulent enlever Olingi aujourd'hui, ces mêmes personnes n'ont pas été capables d'enlever Ali Bongo Ondimba. On ne doit pas vous dire ça. Vous voulez me demander que la personne qui met les têtes de moi là, ton con, ton bague. Je n'ai pas envie de te polluer, Teresa, soigne-moi. Yeah! Oh, ma coach là, elle aura des problèmes avec moi. La personne qui met les têtes de moi là, faut pas m'énerver. Va mettre les têtes de moi ailleurs. Si tu es fâché, si tu te trompes, l'icône, ne dis rien. Ne viens pas serrer mon lave. Je répète. Olingi est attaqué aujourd'hui parce qu'il a un sang mêlé. Quand Ali Bongo, en 2009, a tué Mbaobam, a arraché le pouvoir Mbaobam, vous avez vu qui fait le coup d'État à Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo n'avait pas gagné les élections en 2009. Vous avez vu qui faire le coup d'État Ali Bongo Ondimba? Parce qu'Ali Bongo représentait le G2. Et on ne doit pas vous dire les vérités. Que vous êtes trop qui? Vous avez mangé combien d'hommes au Gabon? Vous vomissez le sang de qui? Vous faites peur à qui? Vous me tuez, ça va empêcher quoi? Ensuite, en 2016, Ping prend un gagne les élections. Ali Bongo va encore tricher avec Ping en 2016. Vous avez vu quel homme de Teke du Wotogwe qui a fait le coup d'État pour donner le pouvoir à Ping? Vous avez vu qui faire le coup d'État à Bongo? Et pourtant, il savait bien, même lorsque Bongo a tué les Gabonais, vous avez vu qui faire le coup d'État? On ne doit pas vous dire les vérités. Attends, si au Gabon vous êtes 90% de lâches, ne comptez pas sur moi. Là où vous avez peur de parler, là, je sens le dedans. C'est pour ça que je n'arrêterai pas de vous dire. Ma vérité commence là où la vôtre s'arrête. Avec mes 1m10. Quand Ping a gagné les élections en 2009, en 2016, autant pour moi. Avec tout le sang qui a été coulé. Avec nos frères qui ont été condamnés. Aujourd'hui, Hervé Mombo-Kinda est mort après avoir été traumatisé en prison. Où sont les gens qui veulent faire le coup d'État au Lingui aujourd'hui, ils étaient où pour faire le coup d'État à Ali Bongo en 2016? Chui, ils ont profité. Ils ont mangé. Ils ont partagé. Chacun avait ses parts. Le Gabon était à eux. Le Gabon était pour le jeune d'eux. Et moi, la Wouloune, à quoi? 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 Et moi, la Quand en 2016, Bongo a tué les Gabonais, Bongo a tué les jeunes
Gabonais. Ceux qui veulent faire le coup d'état au Lingui aujourd'hui étaient où pour faire le coup d'état à Libongo en 2016 et en 2009? Parce que tout simplement, Bongo était du jeu d'eux. Donc il fallait le maintenir. Et on ne doit pas vous dire ça, bande de tarés. Et on ne doit pas vous rappeler l'histoire. Bande de croupillons que vous souffrez. 2018, votre imbécile de fils de pute de Bongo meurt. Fait AVC à rien. Cette imbécile française qu'on appelle Sylvia prend les rênes de notre pays devant vous. Devant le Haut-Ogoué, devant les grands militaires du G2, vous étiez là, vous avez vu, vous n'avez rien fait. Même la Maboule patiente d'Abadi pleurait partout quand elle ne peut plus voir son enfant. Vous étiez là, vous n'avez rien fait à une étrangère. Et on ne doit pas vous rappeler. Wifi le Tunga, tu étais où? Lorsque patiente d'Abadi pleurait quand elle veut voir son fils. Hein? Lorsqu'un Séné venait se plaindre ici, qu'elle veut voir son neveu. Tu étais où pour dénoncer ça? Hein? Vous étiez où? Les hauts militaires Teke, du Watogwe, ou le jeune de Nebalwifi. Vous étiez où pour faire le coup d'état à Sylvia pour aller délivrer Bongo? Niette! Mais que pour une fois, il y a un sang mêlé. Si même on l'ingétait pour nous teke, ça passait. Si on l'ingétait bien, teke, ça passait. Mais comme il est de l'ethnie, tout sauf les femmes, on veut maintenant faire un coup d'état sur Olingui. Et moi, je dois vous regarder parce que vous pensez que vous faites peur à qui? Vous pensez que vous êtes trop malade que qui au Gabon? Vous pensez que la folie s'arrête chez vous? Et voilà un imbécile qui vient là à insulter toute une communauté. L'homme qui était incapable de mettre un coup d'état contre Bongo, de mettre un coup d'état contre Sylvie, de mettre un coup d'état contre la Cobressie, de mettre un coup d'état contre qui? Mais il décide de mettre un coup d'état contre son frère Olingui parce qu'il a le sang mêlé. Et on ne doit pas vous dire les vérités. Et on ne doit pas vous dire ça. Il y a même un gars qui a un ami, il y a un gars qui 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 a un gars. Venir à combien de wong? Mais amène 8 gamins sur 8 pour le voyage. Bah, vous étiez incapable. Mais le record facile vient à 8 lieux. Des années. Mais vous avez blasé pour août. J'ai balancé le corps dans mon salon ici devant vous tous ici. Et vous sentez là-bas. Il y a un coup d'état. Mais c'est la Niamakalala. Ouais, c'est femme. Les femmes veulent tuer Olingui. Olingui sait même que ses plus grands protecteurs, ce sont les femmes. Oui, vous pouvez tout dire contre le peuple femme. Le peuple femme, c'est un peuple loyal. Le peuple femme est un peuple loyal. Voilà pourquoi ça vous dérange. C'est pas parce que vous avez quelques énergumènes, quelques ratés qui ont trahi le machin que vous allez mélanger tout le monde dedans. C'est parce qu'on linguiste qui préfère s'entourer avec les loyaux que de s'entourer avec des gens qui pensent à l'argent que de penser à l'unité nationale. Ah, les femmes qui t'entourent là vont te tuer. Les femmes, les activistes, les femmes qui sont autour de toi font des informations. Et ça, il n'y a personne qui est venu dénoncer ça. Quand c'est moi qui viens parler à l'aide de Haut-Ogoué, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Je dis que c'est le Haut-Ogoué qui veut tuer Olingui. Vous allez me faire quoi? C'est pas vous. Yamakala, c'est. Il est des points gentils. Yamakala et des mots là. Hein? Pourquoi vous aimez l'hypocrisie dans ce pays-là comme ça? Pourquoi vous aimez l'hypocrisie? Pourquoi la vérité vous fait tel mal comme ça? La vérité vous fait mal, hein? Il faut souffrir parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes une bande de tribalistes. Vous n'avez jamais compris ce peuple-là qui vous a rejoint quelques années plus tard. Qui a décidé de faire de ce pays notre pays. Qu'on va le vivre, on va le construire ensemble. Vous n'avez jamais cherché à comprendre la culture, les valeurs de ce peuple-là. Mais comme vous avez peur de l'inconnu,
Vous avez peur de l'étranger. Vous avez stigmatisé. Tout ce que vous avez trouvé de bien à faire, c'est stigmatiser ce peuple sans connaître qui est ce peuple. C'est pour ça que nous sommes tout le temps en conflit. Parce que vous ne cherchez pas à connaître qui est le peuple femme. Hein? Vous ne cherchez pas. Il n'y a pas l'un d'entre vous qui a dit non. Je vais aller un peu faire un week-end, voir comment fonctionne le peuple femme. Je m'en vais vivre même à un village, deux semaines, jamais. Vous vous arrêtez sur deux énergumènes qui sont allés dans le gouvernement, les libises, les machins, qui ont fait les choses impolies avec vous là-bas, et vous venez mélanger tout le monde. Comme si vous et nous, on a dansé le boutier ensemble. Dit que nous, on est des traîtres. On n'a pas de valeur. On est des vauriens. On est des magiens. Vous croyez que dire, ben, nos statistiques, on a, ben, dire, on a une population gabonaise, ben, ça veut dire vauriens. Wow! Wow! On a Bakounia, un Kieni. Ou à Zita, un Fangna, à ne vauriens. Ou à Bakounia. Moka, j'en ai fini pour aujourd'hui. Oui, fille, je pense que tu me connais un peu dans les réseaux sociaux parce que moi, je ne te connaissais pas. Apparemment, tu me connais très bien. Oui, tu me connais. Surtout que je suis une criminelle number one. Et je suis une distributeuse de sexe. Sauf que je n'étais pas distribuée. Donc, tu sais aussi que quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Tu sais aussi que si je porte ton nom là, c'est quand je décide. Tu comprends? Tu peux me voir là pendant un an, bam, je reviens sur toi. Comme ça, tu vas apprécier les profondeurs qui sont en moi là-bas. Je vais me balader avec toi quand je veux, pendant toute ma vie. Les gens comme toi là, puisque tu ne peux plus aller au Gabon, tu as détourné l'argent du pays. Un voleur notoire comme toi, toi tu oses parler de valeur, toi. Toi un voleur. C'est-à-dire que les sommes d'argent... Qu'on m'a raconté ton histoire. J'ai dit que mais c'est. Je comprends pourquoi tu t'énerves. Je comprends pourquoi tu es en colère. Tu es exilé à vie. Si tu es homme, on se lance défi toi et moi. J'ai 43 ans. Je ne sais pas ton âge. Moi j'ai 43 ans. Si tu es homme, toi et moi on se lance défi. Allons au Gabon. Allons se bagarrer. On arrive à l'aéroport. On se bagarre. Je te lance un défi toi et moi. On se bagarre. Oui, fille. C'est pas le wop-wop, c'est pas le bruit que tu fais. Si Mitoma a trop peur de toi parce qu'il sait qu'il a peur de tes coups de poing, maman Koza wogon. Nga Mitoma ko wogon, akala yemna u nyam rek furibu. Ba wilfuna kuma, maman Koza wogon. Menongore ya makfure. Menongore ya merela. Uwanga. Metoki manongore ba punu. Masochi manga. Donc maman Koza wogon. Moi-même, j'ai un sang mêlé, très sauvagement ancré. Je suis une petite fille fan. Ma mère s'appelle Eyang, Eyang Iyor, Iyorondo, Undo Miko, Miko Mise. Moi, l'autre là, je ne connais pas ce nom. Parce que nous là, c'est un peu long, ça va jusqu'à dans la forêt là-bas. Je ne suis pas arrivé là où le coq a chanté Cocolico. Mais là, je penche mon père là-bas. Je suis la petite fille de Monsieur Misselou. Tout droit de ma banda. Donc, je suis une d'une fille de ce pays. Je n'ai pas un sang qui vient du nord de ma chaîne. Non, non, non. Je suis 100% Gaboma. Même si vous pouvez me donner toutes les nationalités, je ris seulement parce que je veux vous, parce que j'ai envie de vous emmerder. Tu comprends? Donc, toi qui as un sang mélangé congolais, tu ne peux pas venir me faire le bruit dans mon pays. Tu ne peux pas me traiter de femme. Donc moi, je te lance le défi. Moi, de ma banda de Chibanga, et moi, Yorondo, y'a ma foura, y'a Bereda. Ma douana, n'go de femme, son mindjim, n'go blema kanesi, wilfle okumba, bien ou quoi, y'a de Yiran. Ouais, y'a mena, ba sambata, ba blemi sorti, mais me ne sorti femme, me ne sorti ma pour nous. J'ai mélangé les deux folies. Je suis la folle femme et je suis la folle Pounou. C'est moi. Je mélange encore la folle camerounaise parce que j'ai été élevée par un Camerounais. Mais je n'ai pas un sang camerounais. J'ai été élevée et nourrie par un homme camerounais et fier. Et je ne veux jamais nier ça pour vous faire plaisir. Mettez ça dans ma tête. Je ne veux jamais nier l'homme qui m'a donné à manger pour vous faire plaisir.
Mais dans mon sang, il est 100% gabonais. Vous devez mettre ça dans vos cabesses, ça de con, de bande de tribalistes imbéciles que vous souffrez. Je vous dis dans TikTok là-bas, elle n'est pas gabonaise, elle n'est pas gabonaise. Vous allez souffrir de ma voix dans ce pays. Vous allez mourir. Je vous impose ma présence. Je vous impose mes positions. Je vous impose mes idées. Et je vais voir ce que vous allez faire de moi. Je vous impose d'être gabonaise dans votre propre pays. Je vais voir qui aura le courage de m'enlever que je suis gabonaise. Je vous lance ce défi-là. Ce n'est pas les bouches dans les réseaux sociaux. Comme bande des imbéciles que vous souffrez. Vous faites peur à qui? Donc toi, Okuma, avec ta tête comme Gofio, comme Bakunya, ta tête comme mon sexe-là, comme les gens sont déjà montés là, pourquoi, ta tête comme il en veut. Ouah! Ton gros corps, on dirait le boumangré. Je te lance un défi. Nous, une femme, sommes une gym, oui, fille. Bon, là, papa, maman, nous, on devait calme. Il a, nous, on est si. Si, mais tu m'as eu peur de toi, il sort de l'île. Nous, une femme, tu es à Paris. Moi-même, je viens à Paris en décembre pour aller au Gabon, c'est loin. Oui, fille, je suis à Paris le 21 décembre. On se bagarre, je suis à Paris. Bien, ma régulière, bien, ouais. Donne-moi ton adresse. Si tu es un homme. Envoie-moi ton adresse. Tu vas voir que dedans là-bas, c'est grillé. Parce que vous voyez que je suis là, je viens faire calme. Je suis calme. Donc vous pensez que quelqu'un peut me traumatiser? Vous pensez qu'un être humain qui dort comme moi, qui respire comme moi, qui chie comme moi, peut avoir le pouvoir dans ma vie? Mais vous êtes trompé d'individu. Ça va pas chez vous. Bien. Donc, on va imposer le respect. Grand frère Bitom, tu ne fais plus ça. Tu dois refaire un autre là où dit que non, j'enlève les excuses là. Tu ne peux pas te rabaisser. Cet homme mérite les injures. Parce que c'est un homme qui veut diviser. Nous sommes là pour sensibiliser, pour construire l'unité. Nous avons été matrisés pendant plus de 50 ans avec la division, avec comment on appelle ça? Le repli identitaire là, par rapport au TK, par rapport à nous, par rapport aux autres, ce sont les bongos qui ont amené ça, c'est pas nous. C'est les bongos qui ont amené le repli identitaire dans notre pays. Aujourd'hui, nous, on doit ramener maintenant les bonnes valeurs. On doit prôner autant pour moi, les bonnes valeurs. On doit prôner de l'amour. Wilfried Tunga, se croit encore au Kumba, se croit encore à l'époque des bongos pour ramener des paroles divisionnaires. Pour amener les paroles qui divisent, pour amener les discours qui divisent, il se croit encore à l'ère de Bongo. Il n'arrive pas à se réveiller. Wilfried, merde, réveille-toi. Bongo n'est plus là. Réveille-toi. Les Bongo ne viendront plus jamais. Toi et ta bande de complices de merde. Vous qui voulez tuer Oligui, réveillez-vous. Votre coup d'état, vous pouvez le mettre ça dans vos culs. Il n'aura pas lieu. Va dire ça à Yamakala. Va dire ça à tous les machins. Votre coup d'état vers Oligui. Vous pouvez mettre ça dans vos culs. Parce que nous, le peuple gabonais, on va se lever. On va se lever pour protéger Oligui. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Tu as compris? Bien, j'ai fini. Je n'aime pas Oligui 100%. Hein. Vous me connaissez. Hein. Moi, il n'aime pas. Parce que là, il n'a pas encore condamné les militaires qui ont tué l'enfant là. Donc, J'ai encore ça de leur ici. Mais je sais faire la part des choses. Il n'a pas encore condamné les militaires là. Je sais quoi, Francis. Non, lui ne peut pas faire Francis. Moi, devant autour. Moi, oui, d'abord, le wifi, moi, je frappe cet homme. Hein. Il n'est pas fort, il est gros comme un boumangré, comme ça. Rien que quand je viens comme ça, je pousse comme ça. Attendez, vous négligez une. Attends, moi, Wifi, ma gueule, Wifi, je frappe cet homme aller-retour. Je frappe cet homme aller-retour. Il me voit comme ça. Wifi me voit, il va trembler. Wifi me voit, il va trembler. C'est moi qui vous le dis. Quand il va commencer à voir mes petits 1m10 venir là-bas, Wifi va commencer à reculer. Parce qu'il sera envahi. Par mon soleil, il sera ébloui par ma présence, par ma puissance céleste. Wifi ne peut pas, il ne pourra jamais résister d'être face à face avec moi. Je vous le dis.
Il finira par s'agenouiller. Messie avait fait quoi ici? Messie qui me citait. Quand je te croisais à Paris, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il m'a dit, oh, tu es folle, tu es folle. Les gens me suivent sur Internet. Quand on arrive face à face, personne ne vient me gifler. Quand on me suit ici, je pars à Paris, j'ai l'ange de vie que je suis à Paris. Les gens, ils restent dans leur maison. Personne ne sort pour venir me frapper. J'ai déjà lancé plusieurs fois les défis ici. Vous faites ça, me suivez dans les réseaux sociaux. Je viens à Paris, que je suis à Paris. Oh. Je marche même devant les gens. Personne ne vient me taper. Même quand il y avait les marches, je finis devant. Claire, là, quand j'arrive à mettre autocadéro, personne ne vient me gifler. Parce que les gens ont la force de, avec moi que dans les réseaux sociaux. C'est parce que les gens veulent attirer l'attention que vous venez tous m'insulter. Mais face à face, vous nous sortez. On va se tendre, on va se poignarder, on va s'entretuer. Et le meilleur gagne. Je suis né dans ça. Beaucoup vous faites seulement la vue, c'est les yeux des gens qui vous intéressent dans Facebook. Moi, de la même manière, je suis sauvage dans Facebook. De la même manière, physiquement, je suis sauvage. Mon impoli. Si tu es fort, tu me frappes. Si je suis fort, je finis avec toi. Donc, maintenant, c'est à ton tour. Je te lance le défi, Wilfried. Le 21. Notez cette date. Le 21 décembre. Je pense que c'est un samedi. Je te donne rendez-vous au Trocadéro. À 15h pétante. Pour un combat contre un teke et une femme. Venez nombreux assister. Je serai au Trocadéro. Je vais d'abord mettre le réveil. Pour que je n'oublie pas. Je mets le réveil devant vous. Réveil. Alors, agenda. Événement. Bagarre. Bagarre avec Wilfried. Oui, vous savez que moi je note tout. Après, je note dans mon calendrier par papier. Wilfried Otunga, Trocadéro. Bien. Voisin, laisse-moi. J'arrive. Voilà. Le 21. Oh. Attendez, je viens de me rendre compte que j'ai payé le billet le mauvais jour. Wow. Attends, le 21, c'est quand? Le 21, c'est un vendredi. Un jeudi. Merde, j'ai payé le billet le mauvais jour dans la semaine. Ah, il va manquer l'école 2 jours. Vous voyez? Oh. Parce que j'ai pris le billet pour le 19, je n'ai pas fait attention. Donc, je me repose le 20. Je me repose le 20. Je prends la source le 20. Il n'y a pas de souci. Donc, merde. Donc, je vais rester encore à Paris longtemps. Je te donne, puisque tu travailles, je vais faire un effort. Je te donne alors rendez-vous samedi. Attendez. Samedi, non. Oh! Samedi le 23. Non. Viens le 21. Je ne peux pas rester jusqu'au 23. Parce que je dois aller préparer une bonne année. À cause de toi. Sinon, je remonte à Paris. Je vais remonter à Paris. Parce que j'arrive un peu tôt 3 jours, je remonte à Paris. Ben non, je te donne rendez-vous, tu auras le temps. Je te donne rendez-vous, Wilfried Okumba. Je te donne rendez-vous le vendredi, je peux encore rester une journée, le vendredi 22 décembre. Le vendredi 22 décembre au Trocadéro, à partir de 15h. On va se bagarrer. Et puis comme ça, je vais te montrer mes profondeurs. Vous avez l'habitude d'insulter les gens, non? On va quitter les réseaux sociaux. Parce que sur Internet, tout le monde peut prendre la caméra et se jouer des banda. Je mets ça là. Maintenant, je mets l'alarme. Ça doit me prévenir à 3 heures avant. Parce que votre pari là, avec les démarches, avec les trucs. Donc, rendez-vous enregistré. Bien. Voilà. Notez cela dans vos carnets. Je donne rendez-vous à Wilfried. Je donne rendez-vous à Wilfried Okumba, au Trocadéro. J'ai envie de finir cette année en bain de sang. J'en ai marre des hypocrites. J'en ai marre de conneries. Les gens confondent silence et faiblesse. Et toutes les personnes qui ont aussi une dent envers moi, je finis de me bagarrer avec Wilfried. Je mets KO et puis l'autre se vient. Donc vous tous,
Je vous donne tous rendez-vous à Paris le 21. Je serai là au Trocadéro. Je suis à Paris le 20. Donc le 21, enfin je vais à Paris le 19, le 20 je me repose. Le 21, je suis avec vous au Trocadéro. Soyez là. Si vous n'êtes plus là, si vous n'êtes pas là, que personne n'ose plus jamais dans sa misérable vie l'ouvrir envers moi. Mais s'il me frappe, tant mieux. Est-ce que j'ai dit que je vais frapper? S'il me frappe, tant mieux. Je dis que je lance un combat. Vous avez entendu que je lance un combat. Je lance un combat. Le meilleur gagne. Mais je vais faire le direct. Je vais faire le direct. Je viendrai avec ma secrétaire. Je serai là-bas en pantalon, en commando. Et cet appel concerne, y compris mes femelles de Paris, vous êtes invités. Mes aïeux, parce que mes femelles, la plupart, ce sont les aïeux qui peuvent me mettre au monde. Vous êtes aussi conviés. 1m10, vous lance le défi national. Venez enfin me tuer à Paris. Je vais voir votre force, pas dans les réseaux sociaux. Venez enfin me tuer à Paris. J'en ai marre de vous depuis 7 ans. Vous finissez avec moi parce qu'en 2024, je ne suis plus dans la même claire que vous m'avez connue dans 7 ans. 2024, je change de vision, je change de ligne éditoriale. Donc, j'ai un mois, je n'arrête pas de vous dire ça ici. 2024, je change de ligne éditoriale. J'ai même déjà embauché une chargée de communication, comment on l'appelle? Une community manager. Elle commence sur ma page en décembre. Le 1er décembre, je n'ai plus le contrôle sur ma page. Donc, j'ai que les une semaine de novembre là pour m'énerver avec vous. C'est pour ça que je profite avec mes filles. C'est la comédie. J'ai l'air de faire la comédie. J'ai fait la comédie avec qui? J'ai fait la comédie avec qui? Donc, vous négligez les gens parce que c'est la comédie. Parce que Wifil, c'est que Vandam. Vandam, Wifil, c'est quoi? Comment on appelle ça? Les gens qui ne meurent pas là. C'est un immortel. C'est un immortel. Donc, vous pensez que si Wifil et moi se met one by one, il ne va pas encaisser quelque chose de moi? C'est un immortel avec son gros ventre là. Si toi, vous sentez faible, vous voyez que les autres sont intouchables. Personne n'est intouchable chez moi. Hein? Donc, je vais les lancer le défi là. J'attends. Voilà. Highlander. Si vous pensez que voilà pourquoi vous avez peur, voilà pourquoi Bitom est venu demander pardon. Parce que Bitom a eu peur des coups de poing de Wilfried. Oh, Bitom, où sont? Où sont? Où sont? Laisse-moi aller te venger là-bas. Grand frère, laisse-moi aller te venger. Je vais me bagarrer pour toi. C'est ça qui va se passer. Il fait le combat, n'a jamais dit qu'il est intouchable. Ton élan, non, c'est élan. Ton élan avec l'élan de Wifi le combat. Vous deux. Ton élan, non, c'est avec l'élan de Wifi le combat. Non, elle dit que les gens l'ont appelé. S'ils l'ont appelé, tant mieux. Moi, est-ce que les gens ne m'ont pas appelé? Moi, les gens m'ont appelé que non, là. Ma boss, tu es resté tranquille, ne rentre pas dans les clashs. Je dis que mais je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Hein. Moi, je défends mon peuple. Hein. Je défends le peuple fan. Je suis désolé. Hein. Puisque nous sommes abandonnés à nous-mêmes, tout le monde veut voir le peuple fan disparaître. Je suis là. Les gens qui veulent venir s'aimer la haine envers le peuple fan, moi, je défends mon ennemi. Et si les Bapounous sont aussi attaqués, je vais défendre mon ennemi. Tu dois vraiment aimer le gros vent de Wifi. Et yo, je vais aimer ça grave. Je vais aimer ça là-bas sur le terrain. J'aime son Kojak là. J'aime son vilain visage là. Je vais sortir. C'est qui? C'est qui le bosseur qui avait arraché? C'est Mike Tyson, hein? Qu'on avait arraché l'oreille. Je vais aller arracher le cerveau de Wilfried. Mais il y a grimpé sur sa tête comme ça là, boum. Mais dans un loup, boum. Vous aimez dans la main?
Je vais mordre comme il a le gros Kojak là. Je vais sauter sur sa tête. Je vais ouvrir son cerveau avec mes dents. Comme ça, le ventre peut rester gros. N'importe quoi. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, Noël, tu plais, tu pèles, comment tu vas? Vous voyez gens de bagarre, soyez là-haut. Vous me connaissez, vous n'avez jamais connu mon côté là, non? Oui, j'aime bien écouter les propos de Wilfried. Wilfried a dit ceci. Le peuple français, vous qui avez amené le repli identitaire. Ce peuple-là, c'est un peuple qui n'a pas de dignité. Ce sont des traîtres. Mon cher, si tu n'as pas écouté tous les audios de Wilfried, ce n'est pas mon pétard. Ce sont ses mots. Il n'a pas dit que donc ce mec est traître. Il a dit, ce peuple-là, c'est un peuple qui n'a pas de dignité. Ce sont des traîtres. Il a dit. Tu vois pas? Viens. Donc ne viens pas me faire répéter si tu n'as pas tout écouté, que c'est moi qui dois te faire écouter les choses. Si toi tu n'as pas pu écouter, c'est pas moi. Le côté traître là, je suis dedans. Le côté on n'a pas de valeur, on n'a pas de. Il a dit quoi? On n'a pas de personnalité, je suis dedans. Voilà, c'est parce que je vais montrer à Bouffi que on a de la personnalité. Moi, je vais être de la personnalité personnalisée qui va le personnaliser. Ou tu veux encore dire qu'il n'a jamais dit que quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit que c'est nous, les tribalistes, on a amené le repli identitaire. Ou bien tu as écouté ça avec une oreille enflammée, enflée, une autre oreille bouchée. C'est moi qui dois venir t'interrompre. Parce que quand tu es dans mon lave là, là tes oreilles sont tendues pour venir écouter ce que je dis. Quand tu écoutes l'audio de Wilfried, tes oreilles sont fermées. Quand c'est pour moi, tu es tendu. Hein? Hein? Il faut t'asseoir alors. Je viens t'expliquer. Oh putain. Pourquoi me fatiguer les oreilles? Je suis fatiguée. On y va ensemble à Paris. Le 20 décembre, je serai en militaire. Voilà, mes tenues militaires là. Je vais donner mes tenues militaires là, avec le jean. Voilà, non, je vais prendre un collant parce que mes jeans Levi's là, ça risque de se déchirer. Ça me coûte cher mes jeans. Donc, un de mes jeans là, mes filles ne peuvent pas m'acheter un jean. Un de mes jeans seulement. Ça fait le repas de 2 semaines, de 3 semaines chez Wilfried. Ils peuvent m'acheter un jean de moi. Un jean. Vous avez le Congo, ça. Oui, il a insulté les Français. C'est les hypocrites qui ne veulent pas avouer la vérité. C'est ça qui m'énerve. En fait, c'est ce manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils font semblant de ne pas punir quelqu'un. Ils vont trouver les excuses. Ils vont chercher à atténuer les dires de quelqu'un. Mais quand moi je vais parler, allez-y sur Twitter, comment les gens m'insultent là-bas, parce que j'ai dit le Wotogwe veut tuer Olingi. Oui, mais là, il faut tuer le Wotogwe. Mais quand Wifi lui parle, il a le droit de tenir ce genre de propos. Là, ça passe dans les oreilles de tout le monde. Mais ils vont chercher à trouver des excuses. Il n'a pas dit ça. S'il n'a pas dit ça, je vais l'apprendre à le dire ça alors. C'est moi qui vais leur dire ça à sa place. Si vous n'avez pas compris ça, je vais vous dire comme ça. Il va. Oh! Oh! Ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. Il se croit pour qui? C'est quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui qui fait ça? C'est aujourd'hui, toi, tu écoutes Wilfried. Tu connais combien les années, nous, on écoute les audios de ces bâtards-là. Hein? Cet enfant qui est sorti par le cul de sa mère, là. On lui dit qu'il est sorti par le cul de sa mère. Il a parlé de mon ban. Il a parlé de mon con. Il a parlé de mon roi. Mon roi Ndibi. Voilà. Donc, il m'a cherché à vie. Il m'a cherché à vie. Faut lui dire ça. Il est sorti par le cul de sa mère. Il va apprendre qu'on ne me provoque pas. Je comprends que tu es toujours amoureux de Wilfried. Mon frère, je ne l'ai jamais vu. Oh. Pardon, donnez-moi au moins les amants que j'ai déjà vus. Je n'ai jamais vu l'homme là. J'ai seulement toujours écouté ses voix. Je ne connais pas à quoi il ressemble en réalité. Donc, si tu me donnes un amant visible, moi je suis le genre de personne qui reconnaît ses amants. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que c'est mon mari de nuit. Maintenant, si c'est mon mari de nuit, peut-être que je suis amoureuse de lui. Dans mon mari de nuit là-bas, je vais accepter. Mais s'il te plaît, donne-moi quelqu'un que j'ai déjà vu, je vais accepter. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu.
Il va me baiser comme dans le vampire. Donne-moi au moins quelqu'un que j'ai vu physique. Même lui mener là-bas, c'est qu'il m'a jamais vu. Il ne me connaît pas. Donne-moi un amant qu'on a déjà mangé, on a déjà bu. Donc si même une seule fois on a fait une photo, je vais reconnaître. Même si c'est faux, je vais reconnaître. Mais ne me donne pas un amant que je n'ai jamais vu. Donc ça dit qu'il est mon mari de nuit. Oh, vous aussi. Même quand vous voulez me donner les gens, donnez-moi au moins les gens que au moins vous m'avez déjà vu ensemble. Lui là, j'entends seulement sa voix. Donne-moi au moins un homme que j'ai déjà vu. Oh, vous aussi. N'abusez pas. Vous me donnez maintenant les fantômes. Un fantôme comme ça là. Elle me connaît dans la zéro. C'est qu'il y a deux fois, nous les femmes là, on fait des rêves exotiques. Bien, quand j'ai fait des rêves exotiques là-bas, c'est lui. Il fait le quai dans mon rêve exotique. Hein? Oh! Vous aussi, donnez-moi les hommes. Donc, même dans mon rêve exotique comme ça, je ne veux pas te rêver toi-même, Alexandre. Donc, je vais arrêter de te rêver. Je vais aller rêver un Abakounia comme ça là. Pourquoi vous faites ça? Vous-même, vous sous-estimez comment? Vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas être. Tu ne peux pas être mon amant toi-même. Tu vas me donner un Abakounia que je n'ai jamais vu comme ça. Pourquoi? Oh! Ouais. Bien, merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Wifi n'est pas à ton niveau. Il est au niveau des personnes. Il n'est rien. Il est un voleur. Il est un criminel. C'est moi qui te le dis. Ça, c'est parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai reçu assez de facts de Wifi. C'est-à-dire qu'il est au niveau des personnes. C'est là, il y a Moussoungoulé. On prenait par derrière un homme. Moi, une femme, on me prend pas derrière, c'est dans mes cornes. Mais lui, c'était un Ayamoussoungoulé. Donc, il ne peut pas être à mon niveau. Je ne fais pas avec les femmes. Je ne tue pas les gens. Je ne vole pas. Donc, oui, il ne peut pas être à mon niveau. Les voleurs républicains ne peuvent pas être à mon niveau. Les tueurs en série ne peuvent pas être à mon niveau. Tu vas me brancher avec le fils, non? Non. Même s'il était le dernier. Ah oui, il faut le brancher pour décembre parce que je dois le frapper. Il faut me brancher pour décembre parce que je dois le frapper. Il dit qu'il ne peut pas voter un femme parce que les femmes n'ont pas de personnalité. Merci, tu as écouté ça, merci, merci. Ils font semblant. Voilà, merci. Merci. Merci, Jean. Toi, au moins, tu as écouté ça avec moi. Il a bien dit ça, qu'il ne peut pas voter un femme parce que les femmes n'ont pas de personnalité. Ils représentent quoi sur l'échiquier national? Voilà. Voilà les propos. Qui a condamné ces propos-là? Vous l'avez condamné. Les femmes n'ont pas de poids dans l'échiquier national. On représente quoi au Gabon? Oui, parce que celui, le Congolais venu de où? Adopté au Togoué, qui représente quelque chose dans sa minable vie sortie du cul de sa mère. Est-ce qu'il était là quand Bétrans me baisait? Monsieur Alexandre l'avocat, il était là quand Mère me baisait. Bien, alors j'étais là quand il voulait. J'étais là quand il égorgeait le gardien de son père à Mouela. J'étais présent. J'étais présent. Tu vois, je te donne les détails. J'étais là-bas. J'habite à Mouela. J'étais présente quand il a assassiné le gardien de son père à Mouela. Quand il a détourné les millions pour venir s'installer ici, j'étais bien présente. Quand il se faisait enculer au gouvernement, j'étais bien présente. J'ai toute la doc. Parce que je n'ai pas encore commencé avec Wilfried. Ceux qui me connaissent savent, je prends tout mon temps. Je prends tout mon temps. Je n'ai même pas encore commencé avec Wilfried. C'est-à-dire que je vais même repousser le contrat avec ma community manager pour de janvier. Je laisse encore décembre. Je n'ai pas encore commencé. J'ai assez d'informations sur ce bâtard. J'ai encore assez d'informations sur ce bâtard. Quand on insulte les femmes, là, vous êtes contents.
Quand on discute. Toi, faut pas faire en sorte que je te bloque, hein, Alexandre. Va défendre Wifi là-bas. Moi, je sais être fair play. Si tu défends tellement Wifid, c'est que tu es contre les femmes. D'accord? Quand Wifid a insulté mon compte, tu n'étais pas là. Donc va te faire foutre avant que je me mette sur toi. Le compte de la mère de Wifid, là, quand il a mis au monde, il n'a pas éduqué pour que Wifid m'insulte. Quand j'ai commencé mon live, je n'ai jamais insulté Wifid. Donc si vous êtes une bande hypocrite nationale, allez vous faire foutre. D'accord? C'est comme ça que vous êtes. Vous vous énervez maintenant quand on vous répond. Mais quand vous commencez, vous ne voyez pas quand vous commencez. C'est quand on vient maintenant vous répondre, vous voulez venir jouer les leçons de bas. Va te faire foutre là-bas, imbécile. Bah le con de tous tes parents aussi. Chien. Ah, c'est quoi ça? Ah, parce que je te tourne, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. C'est quoi votre problème? Un imbécile comme ça, il parle mal aux gens, on doit le laisser. Quand il est venu insulter mon con là-bas, j'avais insulté Wilfried. Donner un point de vue que tu n'as pas le droit de venir semer la zizanie dans le pays. Il ne peut pas me répondre autrement. Il est venu m'insulter mon con là-bas. J'insulte le con de sa mère. Comme ça, il va apprendre que moi aussi, je suis une femme comme sa mère. Imbécile. Donc, vous là, c'est vous qui devez insulter les gens dans les réseaux sociaux. Vous devez avoir mal quand marcher, quand on vous répond. C'est pour ça qu'il ne faut jamais provoquer les gens. Vous ne connaissez pas leur degré de folie. C'est moi qui ai dit à la mère de Wifi de ne pas l'éduquer. Ou à ses parents de ne pas l'éduquer. Pour qu'il se comporte dans les réseaux sociaux, on dirait un violé, malhonnête, mal baisé, mal aimé. Matin, midi et soir, on entend ça au lieu. Oh, on m'a pas fait ça. Oh, matin, midi et soir. Nous, on n'a pas le droit de venir marcher. Il va parler de mon cul. Il m'a donné l'autorisation de l'insulter. C'est-à-dire que là où j'insulte sa mère, là, je veux qu'il me porte plainte. Oui, fille, je veux que tu me portes plainte. Comme ça, tu vas venir affirmer tes allégations que tu as eues envers moi, que j'avais tué Méré. Je veux que tu me portes plainte. Comme tu es sorti par le cul de ta mère. Tu insultes les gens matin, midi et soir. Tu viens dire que Laurent Dor est une bordel qui couche avec Yamakala. Toi, tu insultes les gens matin, midi et soir et on doit te laisser. Tu es qui? Tu diffames sur la vie des gens matin, midi et soir. On ne doit pas te parler. Que tu fais pour à qui? Hein? Même si Laurent Dor a fait des fois comme elle a quoi là, c'est une ministre de la République gabonaise. Mais tu viens l'insulter ici. Je t'ai aussi entendu insulter, comment elle s'appelle l'autre là. Tu insultes tout le monde, on doit t'écouter. Parce que tu es qui? Hein? Quand j'ai fait le live sur toi, tu as vu que je t'ai insulté. Maintenant, je vais maintenant t'insulter puisque c'est toi qui m'as donné le courage. Tu n'as pas demandé à Bob, à part l'homme que tu as mis avec Bob. Tu n'étais pas d'abord renseigné auprès des activistes à qui je suis. Même eux ne me connaissent pas. T'as dit qu'on va me provoquer, puis je vais te laisser. Bah le con. Là, j'ai fini d'insulter. Je suis fatigué d'injurer aujourd'hui. Celui-là, le live là, je ne vais pas le désactiver. Le live que j'ai fait hier, je l'ai tout simplement archivé parce que j'étais beaucoup sale dedans. Et c'est ce côté-là que je n'ai pas envie de montrer parfois dans mes lives. Parce que pour vous, je n'ai pas arrêté de vous dire ceci. Je ne suis pas la personne que vous voulez que je sois. Je suis la personne que je veux vous donner. Je décide quelle image j'ai envie de vous donner. Et j'ai décidé de faire la différence des choses. Mais hier, c'est une image que je n'ai pas envie de donner à la nation. Parce que j'ai la jeunesse gabonaise. Je préfère mes crises de folie, mes nerfs comme j'ai fait là. Mais hier, j'ai dépassé les bornes. J'étais celle-là qui était envoûtée par l'insolence, par le sexe. Ouais, parce qu'il a touché ma partie fétiche. Donc, j'étais habitée par ce côté que je ne veux pas trop montrer au peuple gabonais. C'est pour ça que j'ai tout simplement archivé ce live. Mais il n'est pas supprimé. À tout moment, je peux le mettre. Hein. Pas parce que j'ai peur de ce que j'ai dit dedans, mais parce que je me suis sentie sale moi-même en me regardant après. C'est ça la différence entre vous. C'est que vous n'avez pas de mœurs, vous n'avez pas d'éducation. Vous pensez que tout le monde veut parler. Donc quand je sais que ce que je viens de faire là, ça ne m'honore pas. Moralement, moi-même, je sais m'éduquer. J'archive. Mais quand j'insulte au Wilfried qu'il est sorti du cul de sa mère, je ne regrette pas. Parce que cet homme est rentré dans mon intimité sans que je lui autorise. Alors, je vais rentrer dans partout. Je vais sortir dans le cul de sa mère, dans le con de sa mère. Partout, je rentre sans regret, sans remords, avec fierté. Ça va apprendre à certains d'entre vous, lorsque vous avez un débat
de société. Soit vous argumentez sur les faits, soit vous vous taisez. Parce que tu ne sais pas où tu vas rentrer là. Tu ne sais pas ce qui se cache là-bas. Tu ne sais pas la voie que tu entres, la route que tu veux prendre là. Tu ne sais pas ce qui se trouve devant la route là. Et c'est ce que Wilfried vient de faire avec moi. C'est en venant parlant, mentir avec mon nom là. Il ne sait pas que c'est ça que j'aime. C'est que c'est le côté là que j'excelle. L'injure. Je vais le servir ça quand je veux. Comme ça, sa mère, la prochaine fois, ne va plus mettre les enfants au monde par le cul. Elle pourra utiliser les grosses profondeurs que j'ai. Que son fils a visité. Les profondeurs en moi. La mère de Wifi pourra utiliser les mêmes profondeurs que j'ai là. Ou sa femme. D'accord? Quand vous voulez avoir de moralité, commencez par vous l'appliquer cette moralité. Pas les gens qui vous rendent la monnaie. Parce que quand vous vous mettez à insulter quelqu'un, attendez-vous à la réplique, même la plus forte possible. Mais celles injures publiques ici, quand je suis énervée, c'est Bolilang. Et tout le monde sait que Bolilang ne fait rien. Tous mes larmes, il dit toujours Bolilang. C'est Bolilang. C'est comme une récitation. C'est comme normal. Regardez comment Badekon a vulgarisé le mot Badekon. En temps normal, c'était une injure. Aujourd'hui, personne n'a plus mal d'entendre Badekon. C'est pareil avec Bolilang. Mais non, vous, c'est pas ça. Le con, le cul, le con, et puis je vais vous regarder. Moi, c'est bagarré. Le 21, je vous ai donné rendez-vous. Dans une semaine, là, je mets ça en grand. 21, combat de TikTok entre Wilfried de Tonga et Claire Newman. Trocadéro, à 16h, 15h, Paris. Voilà. Maintenant, si d'autres personnes veulent se joindre à cette bagarre-là, je vous attends comme une reine. Toujours. La seule fille qui a 1m60, royalement bénie, royalement stable. Qui est royalement stable. Avec un sourire angélique. Avec un corps de déesse. Avec la voix diabolique. Qui énerve. Ouh, moi, je sens la mélange de mon cœur. J'ai la moquerie. Henri Ondon, tout le monde a dit dans l'unité nationale. Tu vas aller faire unité avec qui? Avec Wilfried. Bien, bon, unité avec lui. Il y a comme un écrit. Tant qu'il n'a pas encore encaissé mes gifles. Tant que Wilfried a dit, il y a un peu de temps. Moi, je ne suis pas pour la guerre. Hein. Vous me connaissez, non? Je suis pour l'unité. C'est moi qui prends la paix. Mais je ne prends pas la paix avec tout le monde. Tant que je n'ai pas la bonne taper les gens. Wilfried, j'ai fini d'abord de le frapper. Maman, est sur la bonne bombe. Sur. Maman, non, aucun. Je prends le piment, je mets ça dans sa bouche. Je cabine même dans sa bouche. Je fais porti-porta. Je cabine dans sa bouche là-bas. Pour le nettoyer un peu. Parce que un peu de mes caca sur le visage de Wilfried, ça va l'éclairer. Ça va améliorer son visage. Et puis, je mets les huiles d'Iboti Bio. Je finis de lui frotter les huiles d'Iboti Bio pendant que je suis assis sur lui comme ça. Comme ça. Dès que j'ai fini la bagarre là-bas, pas. Je m'assieds sur lui comme ça. Je masse sa tête. Je nettoie. Quand Wifi va devenir propre là, quand il va me regarder, il va dire ma reine. Voilà. Quand il va m'appeler ma reine, on pourra faire la paix. Quand Wifi va m'appeler ma reine, je m'excuse d'avoir déshonoré ton royaume. Je m'excuse, ma reine, parce que je suis ton serviteur. Je sauterai manger à ta table, ma reine. Accepte-moi comme ton esclave. Je pourrais avoir pitié de son âme. Allez-y, donnez le message là. Donc, tu fais 1m60, royalement. Royalement 1m60. Oui. Encore, peut-être même que c'est 1m10. On m'a dit que je fais 1m10. Mais, dans mon passeport, quand on m'a mesuré, les Français ne mettent pas, ne mentent pas. Ce sont les Français qui m'ont mesuré. Ils ont mis 1m60. Mais les Gabonais ont dit que non, dans mon passeport, là, c'est pas 1m60, c'est 1m10. Donc, j'accepte 1m10. Sinon, les Français se sont trompés. Ils ont mis 1m60. Tous mes passeports, j'ai renouvelé le deuxième, là. Ils ont encore mis 1m60. Mais vous avez dit que j'ai fait 1m10. Même 1m00. J'accepte. J'aime trop ma taille. C'est, tu vois le petit modèle là, non? C'est passe-partout, c'est manipulable. C'est pas les girafes.
C'est pas les girafes. Dur, dur. Yo. Oh Seigneur, je ne veux pas grandir. Maman. Bon. Vous comprenez? Allez-y dire à Wilfried que moi, je ne suis pas bitum. Wilfried, c'est lui qui me doit les excuses. Quand Wilfried va s'asseoir, parce qu'il n'a pas encore vu, je n'ai pas encore commencé avec lui. Il n'a pas encore vu. Quand il va s'asseoir et voir comment je fais H24, c'est vous. C'est les mamans alors là qui vont venir encore me dire, ma fille, c'est bon. Ne le suis plus. Ou bien, c'est les mêmes boss qui vont dire, la grande, c'est bon. Vous me connaissez? C'est vous qui allez encore remplir mon inbox. Vous pouvez dire que laisse-le. On ne jette pas les cailloux à l'arbre qui ne fait pas de fruits. Laisse ton étoile brille. Non? Allez-y, la vie, que. Avant que mes parents la viennent me dire que. Parce que quand moi je commence, quand moi je commence, j'ai déjà commencé. Je n'ai pas de frein. Je pense qu'il le sait. Je n'ai pas de frein. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas que ça te prend la vieillesse là. Mon Dieu. Et bien que j'ai 43 ans, parfois je regarde comme ça que tu es au chrétien en train de vieillir. Parce que là, deux fois, là, ma morale me joue des tours. Oh. Deux fois, j'oublie que j'ai 43 ans. Parce qu'à un moment donné, quand je rentre en classe, là, j'oublie. Oh. J'oublie mon âge. Je suis possédé par la jeunesse. Quand je me mets à insulter là, hein. Là, tu as vu depuis là, je suis habillée en robe. Hier, j'étais en robe. Aujourd'hui, je suis en robe. Mais dès que. Dès que je vais mettre mon pantalon jean avec le petit t-shirt, ou on va voir les seins tomber sur Wi-Fi. Il faut savoir que c'est la salope qui est déjà habillée là. Et quand la salope possède mon corps là, je n'ai plus de frein. Non, c'est pour ça. Je te réponds ou je ne te réponds pas. Attendez. Non, je ne te réponds pas. Tu risques de m'épuiser. Je risque de m'épuiser. Comment vous faites, vous, les femmes, comme ça, là même? Vous vous baladez. Ouh, tu t'ennuies, toi. Tu fais même quoi avec ton téléphone? Mais tu vois que je suis assise avec mon téléphone en train de parler. C'est pas toi qui s'ennuies. Ah, oh, Seigneur. Il y a quand même les connasses dans la planète. Hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des gens qui souffrent grave. Va faire le cinéma. Je parie que tu es bonne. Mais j'ai fait le cinéma. Je tourne quelques sketchs avec ma copine là. Mais comme on est à distance, elle est à Paris. Moi, je suis ici. J'ai fait souvent le cinéma. Tu vas sur ma page qui s'appelle Human Vision là-bas. J'ai fait quelques trucs là-bas. Moi-même, j'ai fait le cinéma depuis que j'ai tapé. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Le réalisateur là. Melchior Bian. Ah, vous venez me rappeler quelque chose. Melchior Bian, quand moi je vais te clasher ici. Oh. Un jour je vais clasher Melchior Bian ici. Attendez. Ah, avant, ma chère. J'essaie de faire des trucs. J'essaie de faire avec ma copine. On va voir les télés, on va les voir. Si on peut aller, enfin, on a quelques projets, mais bon, c'est à cause de la distance, voilà pourquoi on n'arrive pas à faire les trucs ensemble. Elle a la famille, j'ai la famille, il y a des enfants là-bas, je suis ici. Quand on était enfants, on pourrait mettre, du coup, depuis qu'on fait, c'est à distance, donc du coup, on a envie de. On veut mettre une web série en place, une web série qui va parler que de ma vie. Comme ça, vous allez voir quelques épisodes de ma vie. Mais comme nous sommes à distance, encore un peu là, on attend un peu l'été, si on peut commencer quelques épisodes. Donc, s'il y a des scénaristes là, s'il y a des producteurs, s'il y a des caméramans, vous êtes priés de me contacter. Vous êtes priés de s'approcher à moi. Et puis dedans, on va ajouter l'épisode de Wilfried là où je vais les frapper Wilfried. Non, laisse-moi Melchior Bian là. Melchior Bian là, pardon, il a les ouais bizarres. Melchior Bian, il a les ouais bizarres. Allez-y dire ça. Allez dire que Claire a dit que tu as les ouais bizarres. Un jour, quand ça m'a piqué, il m'a dit clasher, va. Merci à les web bizarres. Merci Ali Bongo n'est plus président. Je me produis. Bon, vous bien fait quoi? L'homme là m'a fait quoi? Donc, si vous connaissez quelqu'un d'autre que Merci ou bien,
Quand je descends au Gabon, moi, je vais aller regarder les producteurs là-bas, les trucs là-bas. Je vais amener mon projet. Je vais amener mon projet cinématographique. Je vais aller présenter ça là-bas. Ça va plaire à quelqu'un. Comme ça, vous allez bien voir mes talents cinématographiques aussi. Mets le parfum là, allez. Essayez de voir mes... J'ai mis ça dans la bouche. Oh. Bon, la famille. Alors, le lave est fini. On a beaucoup parlé. On a beaucoup chipolé. J'ai été plus ou moins ravie d'avoir vidé une partie de mes énervements ce soir. Et on se donne rendez-vous dans la semaine. Je vais un peu aller travailler un peu. J'ai un délai jusqu'à lundi pour terminer un dossier que je rédige là. Je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas de temps. Voilà. Je t'encourage, continue. Tu m'encourages dans le cinéma. Dans le cinéma. Ouais, je voudrais bien. Moi, j'ai toujours eu les talents de comédien, même quand j'étais jeune. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait le scout. Enfin, vous voyez, le scout, j'ai fait ça. J'ai fait le théâtre dans l'école. J'ai toujours été dans tout ce qui est scène. J'ai toujours été devant la scène. Voilà, toujours devant la scène. Devant, devant, devant. Ce sont des bottes bio. Et il y a quelques filtres aussi mélangés. Mais sinon, j'ai un beau teint. Ce sont des bottes et quelques filtres. Des bottes bio, il me reste que trois bouteilles. Deux bouteilles, trois bouteilles, trois bouteilles et deux bouteilles. La semaine dernière, cette semaine-là, j'ai bien vendu sur TikTok. Donc, du coup, la plupart sont finies. Parce que par mois, je fais des quantités limitées. Moi, je ne produis pas en grande quantité puisque ce sont des produits faits maison. Donc, il y a une série, une gamme, je fais 20, une autre, je fais 15, je fais 20, 15, 10. 20, 15, 10. Donc, celle de 20, il reste 2. Celle de 15, il reste 3. Celle de 10, il reste 3. Donc, je vends comme ça. Donc, le mois de novembre, là, il faut que les 6, 8, il faut que les 8 bouteilles qui restent là finissent pour que je reprépare d'autres. C'est comme ça, moi, je fais ma production. Voilà. Maintenant, quand j'aurai, maintenant, non, 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 parce que je ne peux pas vraiment pas stop, puisque j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Je fais ça pour ne pas m'embrouiller, pour ne pas trop me concentrer que sur les huiles. Parce que les huiles, c'est tout simplement annexe, c'est un truc annexe. Et puis, voilà. C'est plus tard que je vais vraiment rendre ça, machin. Oui, je livre au Gabon. Attends, je vais faire une petite pause. Pardon, excusez-moi. Je livre au Gabon. J'ai oublié. Donc, il reste 6. Finissez-moi le mois de novembre avec. Je n'étais pas à côté du bureau aujourd'hui là. Donc je prends les 3. Finissez-moi le mois de novembre là. Mais il reste 6. Il reste 8. 3, 3 et 2. 3, 3, 2. 3, 3, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Donc finissez-moi le mois de novembre là, s'il vous plaît. Donc voilà, ça, il reste 3. Donc ça, j'avais 15.